Bonjour, c'est Christelle Albaret. Bienvenue dans cette session de psychothérapie en ligne dédiée au stress, à la peur et à l'anxiété. Je vais vous confier de façon extrêmement pragmatique et en prenant soin de vous toutes les clés thérapeutiques pour agir et pour guérir, que ce soit de l'anxiété, de la peur, du stress, des angoisses et même des phobies ou des attaques de panique. C'est tout l'intérêt de cette session e-santé dédiée pour vous. Vous êtes avec moi, la bienvenue, le bienvenu dans cette section de psychothérapie en ligne. Vous êtes avec moi comme si vous étiez au sein de mon cabinet et moi, je suis là pour prendre soin de vous, vous donner les clés pour comprendre, les clés pour agir, les clés pour prendre soin de vous et faire en sorte que la peur, le stress, l'anxiété, les angoisses et tout ce qui va autour, eh bien, ça s'arrête dans votre vie parce que vous allez avoir les clés pour agir, la motivation d'y aller et surtout, vous allez couper le son à votre sentiment d'impuissance qui jusqu'à présent vous empêchait de pouvoir avancer. Concrètement, si vous avez déjà essayé plein de choses mais vous avez dit ça ne marche pas, ça n'avance pas, vous allez dans cette session trouver des réponses. Comment va se passer cette session? C'est une session un petit peu originale, un peu unique parce que, bien entendu, c'est une session que vous n'avez jamais vécue jusqu'à présent. Vous allez vivre là l'expérience d'une session de psychothérapie en ligne comme si vous étiez avec moi en cabinet mais sans avoir besoin de vous déplacer. Et surtout, vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin que ça. Vous allez réaliser avec moi votre diagnostic clinique personnalisé par rapport à votre situation de vie. Vous allez savoir concrètement aujourd'hui où vous en êtes, de la peur, du stress, de l'anxiété, des angoisses. Est-ce que vous êtes dans un état léger, sévère, modéré? C'est ce que vous allez pouvoir mettre en lumière dans cette session. Donc, vous allez repartir concrètement avec des éléments de réponse. Vous allez aussi vivre l'expérience augmentée d'une vraie séance de psychothérapie en ligne. Pourquoi je dis augmentée? Parce que vous allez voir que ça va être interactif et que vous allez pouvoir aussi le vivre à votre rythme. Vous allez pouvoir mettre des mots sur tout ce que vous vivez et si vous avez besoin de, j'ai envie de dire, d'appuyer sur pause pour savoir où vous en êtes, vous allez pouvoir le faire. Et enfin, dites-vous aussi, et c'est tout l'avantage de cette session, c'est que vous n'êtes pas seul. Un, je suis avec vous, je suis là pour vous accompagner, pour que vous mettiez des mots sur ce que vous vivez et que vous trouviez des réponses, mais aussi vous bénéficiez d'une communauté, la communauté de la clinique e-santé qui est là, c'est un groupe concerné comme vous par ce sujet de la peur, du stress, de l'anxiété, et qui va pouvoir, en commentaire, interagir, et parler de son expérience, poser des questions. Et du coup, vous n'êtes pas seul, vous ne vous sentez pas seul pour pouvoir agir, vous dire que tout le monde peut traverser ces épreuves, et surtout que tout le monde peut se sortir de ses symptômes, et qu'on n'est pas obligé de vivre avec à vie. Et c'est ce que vous allez voir, c'est ce que, tout simplement, c'est les transformations, que je fais au quotidien, que ce soit au sein de mon cabinet, que ce soit au sein de la clinique e-santé avec l'ensemble des psychologues, cliniciens qui m'accompagnent et des patients que l'on accompagne au quotidien. Cette session de psychothérapie, elle est faite pour vous. Si aujourd'hui, vous êtes dans le stress, dans une anxiété constante et que vous en avez marre d'être dans cette situation, vous voulez plus que ça vous bouffe la vie, que vous êtes épuisé physiquement et mentalement. Si vous n'avez pas envie que les médicaments soient votre solution, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer pourquoi et comment vous pouvez faire sans les médicaments ou alors tout simplement comment vous allez pouvoir au fur et à mesure arrêter les médicaments ou dans certains cas, comment vous pouvez les combiner avec une vraie psychothérapie qui va vous permettre de vous soigner en profondeur et à la racine. Vous allez voir que du coup, on peut faire en sorte que le stress, l'anxiété ne vous handicape plus dans votre vie. Si l'impuissance, c'est vraiment le grand mot que vous retrouvez en ce moment, vous dites, mais c'est pas compliqué, j'ai l'impression que mon quotidien, quoi qu'il se passe, je me sens impuissant, je n'arrive plus à faire face, vous êtes au bon endroit. Et enfin, si vous voulez des réponses concrètes, pas de la théorie, mais de la pratique, bienvenue parce que c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette session. Comme je vous dis, vous êtes avec moi comme en cabinet et vous allez repartir boosté avec des réponses et surtout les moyens d'agir. Alors, première chose que je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà fait un diagnostic de votre stress, de votre anxiété, de vos angoisses? Soit vous l'avez fait personnellement, soit vous l'avez peut-être déjà fait avec un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, votre médecin traitant, ou alors vous l'avez peut-être déjà tout simplement fait au sein de la clinique e-santé via l'application de la clinique e-santé ou sur le site internet de la clinique e-santé. Dites-moi en commentaire si vous avez réalisé ce diagnostic et quels sont vos résultats. Si vous ne l'avez pas fait, soyez
rassurée, sécurisée, comme je vous ai dit juste avant, vous allez pouvoir, dans cette séance, réellement, de façon guidée, et moi, je vous accompagne pour faire en sorte que vous ayez concrètement les clés et vous compreniez où vous en êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes dans un état de stress, de peur, d'anxiété sévère, léger, modéré? Est-ce que les angoisses, les phobies sont vraiment très handicapantes? Et en fonction de ça, quelles sont les actions pour agir? Donc, si vous avez déjà réalisé le diagnostic, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont ces résultats. Est-ce que vous étiez étonné de ces résultats? Et vous allez pouvoir, donc, j'ai envie de dire, comparer ou affiner votre auto-diagnostic avec cette session. Et comme je vous dis, si vous ne l'avez pas fait, ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. N'hésitez pas donc du coup à prendre un papier et un stylo pour prendre des notes et travailler en exercice avec moi. Alors, juste avant d'aller plus loin, bien sûr, quelques instants pour me présenter, c'est normal, pour que vous puissiez vous sentir bien dans cette séance, il faut que vous puissiez me faire confiance et sachiez avec qui vous travaillez. Donc, je suis psychosociologue, je suis fondatrice de la clinique e-santé, je suis avant tout une femme de santé engagée depuis des années pour faire en sorte que la santé mentale soit accessible à tous. Et pour cela, j'ai plusieurs façons de contribuer, que ce soit au sein de mon cabinet, au sein de la clinique e-santé que j'ai fondée, mais aussi dans les médias, notamment sur France 2, puisque j'accompagne depuis 2017 Faustine Bollard dans son émission « Ça commence aujourd'hui », en donnant des décryptages en psychologie pour rebooster les gens, donner des moyens d'avancer, mais aussi sur YouTube. Je suis aujourd'hui la première psychosociologue francophone sur YouTube avec un peu plus de 85 000 abonnés. Je vois qu'il y a marqué 71 000, mais on est déjà bien avancé parce que chaque jour, vous êtes de plus en plus fidèles à me rejoindre parce que vous avez des questions, vous voulez des réponses et que vous savez que je vous donne ces réponses au quotidien. Surtout que je ne vous lâche pas. Et bien entendu aussi, je fais des travaux de recherche, que ce soit en neurosciences, en psychologie, en e-santé. Et j'ai écrit notamment dernièrement un ouvrage qui s'appelle « Oser la bienveillance au travail » aux éditions Diaténo. Et donc, en effet, je suis précurseuse e-santé. Précurseuse e-santé, ça veut dire quoi? Précurseuse en e-santé, ça veut dire que, par exemple, je suis aujourd'hui la première psychosociologue de France à vous proposer des sessions de psychothérapie en ligne, en e-santé, comme on vit là actuellement. Mais plein d'autres choses aussi, notamment par l'application de la clinique e-santé qui permet à chaque patient de la clinique d'être accompagné dans un format original, extrêmement efficace, où on se voit avancer, être prise en charge de façon quotidienne en respectant son rythme de vie. Alors, la clinique e-santé, comme je dis, c'est vraiment une expérience thérapeutique. Comme je dis souvent avec mes patients, mon premier objectif, c'est celle de vous redonner le sourire et c'est ce que disent la plupart du temps les patients au quotidien. Mais bien entendu, je ne fais pas ça seule. La clinique e-santé, c'est une équipe qui grandit, qui grossit, j'ai envie de dire, jour après jour parce que vous êtes extrêmement fidèles à la clinique, de plus en plus de fidèles, vous nous recommandez au quotidien et donc on grossit les rangs à chaque fois un peu plus de la clinique e-santé. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous voyez qu'à chaque fois, la clinique, elle grandit. Aujourd'hui, la clinique, elle a plusieurs experts. C'est une équipe d'experts avec deux pôles, un pôle santé et un pôle digital. Un pôle santé, j'aime bien dire la casquette santé qui est tous les experts, les psychologues, les personnes qui font de la recherche au sein de la clinique e-santé pour justement vous apporter tout le savoir-faire thérapeutique, les nouveautés, l'innovation aujourd'hui, et le pôle digital qui est toutes, justement, j'ai envie de dire, toutes ces nouvelles technologies qui sont là pour les rendre accessibles à tous et qu'elles soient au service de la santé. Eh bien, quand on combine le pôle santé et le pôle digital, ça donne la clinique e-santé et par exemple cette session que vous vivez avec moi en ce moment. C'est grâce à toute cette équipe. Et la clinique e-santé, c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez être accompagné. Vous avez notamment l'ensemble de l'accès au programme e-santé, aux tests e-santé, plus de 40 tests en accès libre pour que chacun puisse réaliser un petit peu déjà son autodiagnostic, son autothérapie. C'est peut-être ce que vous avez déjà fait. Et puis, ça permet aussi d'être dans un cadre de développement personnel de façon autonome. Mais c'est aussi des programmes e-santé autonomes et c'est aussi de la thérapie digitale avec un suivi original, extrêmement novateur de la thérapie au quotidien où vous avez directement votre psychologue, comme je le dis souvent, dans votre poche. Ça, c'est la thérapie digitale. Alors,
La clinique e-santé, bien entendu, c'est du concret, c'est du réel, avec des vrais psys qui sont là, qui vous accompagnent. Pour cela, il y a des conférences, il y a des lives que je réalise régulièrement sur YouTube ou sur Facebook, mais c'est aussi des ateliers thérapeutiques dédié aux patients de la clinique e-santé sur des thèmes spécifiques qui peuvent être la dépression, qui peuvent être le burn-out, qui peuvent être les TOC, qui sont les troubles du comportement alimentaire, qui sont l'anxiété, qui sont le traitement des phobies et qui sont dédiés pour que chaque patient, au fur et à mesure, puisse vraiment se sentir accompagné au quotidien et sortir de son épreuve, sortir des symptômes qui vous bouffent la vie, pour pouvoir vous sentir bien dans votre tête, bien dans votre peau. Et puis, c'est aussi une communauté parce que on est toujours plus fort quand on n'est pas seul. Comme je dis toujours, tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est tout l'esprit de la clinique e-santé, c'est de se dire qu'avec humilité, on avance et on se sent soutenu, et quelle que soit l'épreuve que l'on vit. Session e-santé, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on y va. Première chose, on va passer par quatre étapes dans cette session. La première chose, comprendre. Comprendre pourquoi le stress, l'anxiété, les angoisses dans votre vie. Ensuite, vous allez réaliser votre diagnostic pour savoir concrètement où vous en êtes. Ensuite, on va passer à un élément important, c'est de savoir concrètement aujourd'hui, le stress, l'anxiété, les angoisses, c'est des choses que vous avez certainement pu identifier en conséquence, mais il y a peut-être plein de conséquences cachées que je vais vous transmettre dans cette session pour que vous puissiez en prendre conscience et pouvoir agir dessus. Agir, ça va être donc la quatrième partie de cette session où je vais vous donner les moyens d'agir, les clés pour agir, les recettes pour agir et où est-ce que vous pouvez agir avant tout en priorité en fonction de votre situation. Et je vous parlerai bien entendu de la thérapie digitale, comment avec la thérapie digitale, les patients de la clinique e-santé peuvent se soigner aujourd'hui efficacement et sans contrainte. On va dire qu'on est un petit peu concrètement dans une révolution thérapeutique, celle de la TPERN, mais je vous en parlerai un petit peu plus loin dans cette session. Il faut savoir avant tout que si vous êtes ici avec moi, bien entendu, c'est pour y trouver des réponses et des solutions à votre situation, à vos problèmes qui certainement avancent depuis quelques mois, quelques années et que vous avez envie de dire stop. Si c'est le cas, eh bien, vous êtes au bon endroit, vous allez trouver les réponses et les solutions. On est parti, on commence par la première étape, celle de comprendre. Vous savez, comprendre, diagnostiquer, observer, agir, j'ai pas choisi ces étapes-là par hasard. En réalité, je vais m'adresser à vous et à votre cerveau. C'est pour ça que quand je vous ai dit dès le démarrage, vous allez réaliser une session sans effort. C'est-à-dire qu'en fait, laissez-vous juste porter parce que au niveau des neurosciences, j'ai fait en sorte que cette session soit adaptée pour ouvrir toutes les portes dans le bon ordre pour que votre cerveau observe, comprenne, prenne conscience, enlève les freins et puisse se mettre en mouvement pour que vous puissiez vous défaire de cette situation de peur, de stress ou d'anxiété et de tout ce qui va avec, notamment dans votre vie. Vous savez que la peur, elle n'a qu'une seule obsession. Je vais le dire comme ça. C'est la peur, elle veut vous soumettre. Elle veut vous soumettre et ôter en vous toute forme de liberté. Cette peur peut être vraiment très envahissante et elle peut prendre le pouvoir dans votre vie. Quand la peur prend le pouvoir dans votre vie, il n'y a plus d'espace de liberté pour vous. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Est-ce que vous ressentez ce frein à main douloureux qui s'impose dans votre vie? Si la réponse est oui, exprimez-le par un like directement pour me dire aujourd'hui quelle résonance ça fait pour vous. Et vous allez voir que ce like, vous mettez, eh ben, c'est le vôtre et aussi tout celui de la communauté qui va se retrouver en vous. Donc, partagez votre expérience. La première chose, vous savez, quand on ressent ça, c'est de prendre la parole. Alors, parfois, on a du mal à le verbaliser. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est mettez un like qui vous permet de vous dire, ouais, moi, ça me parle. Moi, cette peur, cette obsession de la peur, ça me parle. Et vous allez voir le nombre de personnes qui mettent des likes en temps réel et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, oui, en fait, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Mais vous pouvez aussi, si vous vous sentez prêt, exprimer votre ressenti en commentaire. Si vous êtes un habitué des sessions de psychothérapie en ligne, en live que je réalise, mettez en commentaire votre ressenti, partagez votre expérience. Vous savez que les premiers mots que vous allez dire vont permettre à chacun de dire « Mais oui, merci, tu mets des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis. » Et moi aussi, j'ai la même chose. Et si vous avez déjà passé certaines étapes et qu'aujourd'hui, vous avez des recettes, eh bien, dites-vous, ouais, je suis passée par là, mais aujourd'hui, je sais
que c'était avant, que ça appartenait à mon passé. Je pense notamment à toutes les personnes qui me suivent au quotidien, qui sont suivies au sein de la clinique e-santé, qui ont été accompagnées par moi au sein de mon cabinet. Partagez votre expérience, partagez vos résolutions, partagez comment vous avez réussi à vous guérir, à éradiquer tous ces symptômes et qu'aujourd'hui, votre vie, elle n'a plus du tout le même goût. Comme je dis toujours, j'ai tellement de témoignages de personnes qui me disent « Mais Christelle, pourquoi je ne vous ai pas rencontré avant ? Pourquoi j'ai tellement passé de temps avec ces peurs, avec tout ça dans ma vie qui m'envahissait ?» Alors qu'en réalité, les clés sont assez simples, il suffit juste de les donner. Je vais vous donner une partie de ces clés aujourd'hui. Il faut savoir que la peur, elle a trois portes d'entrée. Trois grosses portes d'entrée, on va dire, principales. Un, le stress. Deux, l'anxiété. Trois, l'angoisse. Imaginez, visualisez-vous, vous avez trois portes. Et demandez-vous, alors, la peur chez moi, est-ce qu'elle a plutôt pris la porte d'entrée du stress, de l'anxiété, de l'angoisse ? Est-ce que c'est un, deux, trois ? Est-ce que c'est qu'une seule ? Est-ce que c'est les trois ? Quelle est, vous, votre porte d'entrée ? Partagez en commentaire. Si vous prenez des notes, notez à chaque fois que je vous pose une question. Aujourd'hui, en effet, quelle est ma porte d'entrée ? Stress, anxiété, angoisse. Notez, porte d'entrée, où vous en êtes. Et dites-moi, partagez aussi en commentaire, quelles sont les conséquences de ces plus ou moins portes d'entrée qui se sont ouvertes, qui font peut-être des courants d'air dans votre vie, et quelles sont les conséquences dans votre vie d'aujourd'hui. Partagez-le, écrivez-le en même temps pour que vous puissiez, en fait, le fait d'écrire, que ce soit en commentaire, que ce soit sur un papier, un stylo, comme je dis, moi j'ai toujours ici mes notes avec moi, le fait de le poser permet de rendre réel quelque chose qui est exclusivement interne. Et en fait, ça vous permet immédiatement de vous dissocier de ce que vous vivez et de le rendre réel pour pouvoir agir dessus. Donc ça, c'est la première clé. Dites-vous qu'à chaque fois que vous écrivez, vous rendez réel quelque chose qui est enfermé, quelque chose qui est extrêmement confidentiel et pour lequel vous n'avez pas les clés pour pouvoir agir. Rien que le fait d'écrire permet déjà de trouver les premières clés. La peur, on va parler de la peur et de ses déclencheurs. Il y a deux types de réactions, la réaction physiologique et la réaction mentale. La réaction physiologique de la peur, c'est celle qui est là pour faire face à une situation réelle. J'aime dire que la peur n'est pas une mauvaise chose. Lorsque vous avez un danger réel devant vous, eh bien c'est normal que vous ayez besoin, envie d'agir pour vous mettre en sécurité. Donc la peur est une émotion. En cela, elle est saine, j'ai envie de dire, quand vous devez faire face à un danger qui est devant vous. Et donc la peur est une sorte d'appel à l'action pour réagir, faire face à une situation réelle. Et il y a la peur qui est déclenchée par rapport à une réaction mentale. Ça veut dire qu'elle n'est pas provoquée par une situation réelle dans votre vie, mais par l'idée d'une situation, soit qui vient du passé, soit projective vers l'avenir. Donc ça veut dire que cette réaction de peur mentale est provoquée par vos pensées, par vos sentiments et va engager donc des comportements. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes plutôt dans une peur, j'ai envie de dire physiologique, c'est-à-dire devant un danger réel ou devant une peur avec des réactions mentales. Je continue de vous la développer un petit peu. Les réactions physiologiques, comme je veux dire, la situation déclenchante, elle est réelle. Donc si vous avez une peur physiologique, vous avez une situation réelle et hop, vous allez passer à l'action et à réagir par rapport à ça. Jusque-là, tout va bien. Si par contre, vous avez une réaction mentale, quand je dis tout va bien, vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire que vous avez une situation qui n'est pas réelle, mais imaginée, avec des pensées liées au passé, au futur, qui vous polluent l'esprit, qui peuvent prendre toute la place, créer des émotions qui, au bout d'un moment, deviennent toxiques, qui emmènent le passé, la projection du futur, et vont vous faire avoir des comportements réactifs, réactifs envers soi, réactifs envers les autres. Par exemple, vous avez vécu un élément du passé avec un élément traumatisant, des blessures. Par exemple, vous avez vécu du harcèlement scolaire enfant. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, même peut-être 15 ans, 20 ans après, vous êtes dans un système d'hypervigilance constante et vous êtes constamment dans la peur que quelque chose recommence. Donc, il ne s'agit pas de situations réelles, mais de situations imaginées. Mais ces situations imaginées, eh bien, parfois, on a une imagination
débordante, hein, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas portée sur rien, puisque vous avez eu des éléments du passé, et votre plus grande peur, c'est ça recommence. Et donc, vous, par ce système d'hypervigilance, vous avez un comportement réactif envers vous, envers les autres, et en fait, ça vous met dans un système mental où la peur, bah, vous ne pouvez pas agir, puisqu'il n'y a pas de peur réelle, dans le sens où il n'y a pas d'éléments concrets dans votre vie, mais que ce qui vous met complètement dans un système de, comment dire, d'effroi constant et d'angoisse et d'anxiété, c'est d'imaginer ce qui pourrait se passer. Et donc, bien entendu, ça va créer un cercle vicieux si vous êtes dans une réaction mentale. Quand la situation déclenchante, par exemple, vous avez un contexte et vous allez avoir une pensée automatique qui est, je me dis, et si, par exemple, j'arrive dans un nouveau job, et si je me retrouvais avec des collègues qui ne me respectaient pas, qui se moquaient de moi, et là, je refais écho, par exemple, à ma situation quand j'étais ado et qu'on me manquait de respect, que je m'étais fait harceler. Ces pensées automatiques se déclenchent par un contexte qui est là, qui, lui, n'est pas dangereux, mais qui renvoie, en fait, à un élément du passé. Donc, c'est le contexte présent qui déclenche une blessure antérieure qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été cicatrisée. Et là, la pensée automatique se met en route. Je me dis que, et si j'étais pas à la hauteur, et si on se moquait de moi, et si j'étais isolée, et si j'arrivais pas à faire face. Les émotions négatives vont donc se mettre en place. Vous allez ressentir de l'angoisse, de l'anxiété, vous allez ressentir un sentiment d'impuissance et vous allez avoir un comportement qui n'est pas en lien avec le contexte, mais un comportement qui est en lien avec vos pensées négatives automatiques et vos émotions négatives. Donc, ça veut dire que ce que vous faites et ce que vous dites va être conditionné par l'anxiété, par la peur, par votre sentiment d'impuissance. Et donc, du coup, les conséquences vont être que, en interne, eh bien, vous allez avoir un sentiment de dévalorisation, vous allez avoir un sentiment extrême de ne pas vous sentir à la hauteur, vous risquez de faire des erreurs, tout simplement parce que vous êtes envahi par la peur, et quand on est envahi par la peur, c'est difficile d'être concentré sur la tâche. La conséquence avec les autres, c'est que par peur qu'on se moque de vous, vous allez mettre une certaine distance, par exemple, avec les autres. Et conclusion, en conséquence, les autres eux-mêmes mettent une distance avec vous. Et ça ne fait que confirmer que du coup, vous vous sentez seul, isolé et de ne pas être, par exemple, entouré. Vous allez du coup mettre en place des systèmes d'anticipation, des mécanismes de défense avec de l'hypervigilance qui va encore plus se mettre en œuvre. Et donc, du coup, vous êtes dans un cercle vicieux, ce qu'on appelle le cercle vicieux de la peur. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez pris conscience de ce cercle vicieux de la peur dans votre vie? Là, je vous ai pris l'exemple, par exemple, d'un élément passé avec une situation de harcèlement scolaire et qui, en fait, n'a jamais été guérie, cicatrisée. Et du coup, elle recrée, en fait, de façon un petit peu en fond d'écran de votre vie, elle conditionne, en fait, votre quotidien. Et chaque élément de votre vie, dès qu'il y a un contexte fertile, ça vous renvoie à votre blessure du passé et ça vous remet avec des comportements, des conditionnements de ce cercle vicieux. Si vous vous reconnaissez dans ce cercle vicieux, prenez le temps, en fait, d'écrire comment ce cercle vicieux il se met en route chez vous. Quel est le contexte qui renvoie ça? Est-ce que là, je vous ai parlé du harcèlement, ça pourrait être lié à un traumatisme, le fait que enfant vous ayez été maltraité, pas considéré, qu'il y ait eu un terrain anxieux, par exemple avec des parents qui étaient eux-mêmes très anxieux et ne vous ont pas permis de vous sécuriser. Vous allez voir un peu plus loin dans cette session, je vais vous expliquer quelles sont les sources possibles, mais déjà commencez à écrire selon vous quelles seraient potentiellement les sources. Et exprimez, si vous vous sentez, si vous vous retrouvez dans ce cercle vicieux, appuyez sur like qui permettent à moi et donc à toute la communauté de savoir que ça vous parle. Vous savez, c'est interactif et plus j'ai vos likes, là, c'est ce qui me permet de savoir qu'en effet, on utilise le like de façon un petit peu détournée, c'est-à-dire que c'est ce qui me permet, moi, de savoir en temps réel avec vous que ce cercle vicieux, ça vous parle. Et n'hésitez pas, là aussi,
à réagir en commentaire pour me dire en fait, vous, concrètement, est-ce que vous avez le sentiment de savoir déjà quels sont les éléments déclencheurs ? Déjà savoir quels sont les éléments déclencheurs, j'ai envie de dire un peu les sources potentielles du passé, nous permet déjà d'avoir quelques indicateurs. Et si vous ne les avez pas, ne vous inquiétez pas, puisque justement, c'est tout l'objet de ces sessions, de vous donner les moyens de pouvoir trouver quels sont les éléments sources. Ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Quand on a déjà fait un travail thérapeutique, on le sait, mais parfois, si on n'a pas fait de travail thérapeutique, c'est parfois plus difficile parce qu'il y a parfois beaucoup de sources masquées auxquelles dont on n'a pas forcément la conscience de prime abord. Là, je vais prendre le temps maintenant de vous aider à bien différencier trois choses. Le stress, l'anxiété et l'angoisse. Pourquoi c'est très important? Parce qu'on ne traite pas une problématique de stress, d'anxiété et d'angoisse de la même façon. Okay, ça ne nécessite pas le même accompagnement et ce ne sont pas les mêmes sources. Il faut savoir que le stress en lui-même, le stress reste ponctuel. C'est un sentiment d'insécurité lié à une situation là qui est présente dans votre vie. En règle générale, le stress se déclenche lorsque vous avez ce sentiment d'avoir une difficulté à vous adapter à quelque chose de soit dangereux, soit de nouveau, soit d'inattendu. D'accord ? Donc, plus on apprend à s'adapter même à plein de sources inconnues, plus en fait on se sent à l'aise et moins on a besoin de déclencher le stress. Donc le stress est là quand on doit faire face à une situation pour laquelle on a le sentiment de ne pas avoir tous les outils pour faire face. Donc il reste ponctuel, ok ? L'anxiété, c'est autre chose. Il faut savoir que l'anxiété, à la différence du stress, elle est permanente. Il n'y a pas un élément spécifiquement clé qui la déclenche, c'est un sentiment de peur. Et l'anxiété en règle générale, à la différence du stress, va de plus en plus vous envahir parce que vous avez un sentiment d'impuissance et le sentiment inconscient de ne pas avoir les moyens en vous de vous adapter à des situations, de trouver les moyens et les ressources pour pouvoir faire face à des situations. Donc, il y a un élément qui va passer entre le stress et l'anxiété par un élément mental, cognitif, qui est celui du filtre des pensées. L'idée que vous avez de vous-même va agir par rapport à l'anxiété. On peut tous être stressé, par exemple, devant quelque chose d'inattendu, d'accord ? Je vois arriver un camion dont les freins ont lâché devant moi. Je suis stressée parce que ce camion arrive à grande vitesse. Je vais être stressée, mais c'est ce stress qui va engager chez moi un sentiment d'insécurité et qui va faire que je vais bondir de façon, je vais avoir une réaction archaïque pour faire face et m'adapter à la situation. Dans l'anxiété, c'est l'idée que de toute manière, je n'aurai pas les ressources, je ne serai pas suffisamment, en capacité pour pouvoir faire face si une situation arrivait. Donc, on n'y est même pas, on n'est pas dans le concret, mais je suis dans l'idée que si ça arrivait, moi, je ne pourrais pas faire face. S'il y avait un attentat, eh bien, je me dis que de toute manière, je ne serais pas en capacité de faire face. Donc, rien qu'à l'idée que je puisse être confrontée à, par exemple, prendre le métro ou aller dans une salle de concert, je suis anxieuse parce que « et si ça arrivait ?» Donc, l'anxiété, elle est permanente, elle est diffuse et c'est pas quelque chose… Alors, il y a un élément de contexte qui la déclenche, mais elle peut envahir tous les éléments de votre vie, notamment lorsqu'on parle de l'anxiété généralisée. L'anxiété généralisée, c'est quels que soient les éléments de votre vie, eh bien, en fait, tout la déclenche, ça fait partie intégrante de votre quotidien, personnel, professionnel, amical, amoureux, tout ce que vous voulez. Et l'angoisse, c'est encore autre chose. L'angoisse, à la différence de l'anxiété, c'est quelque chose de diffus, de permanent. Et autant dans l'anxiété, par exemple, vous pouvez être anxieux à l'idée qu'il va y avoir par exemple, il y a un examen auquel vous allez devoir faire face, mais vous savez que c'est lié à un contexte. L'angoisse, à la différence de l'anxiété et du stress, c'est qu'en fait, elle s'exprime sans raison apparente. Je dis sans raison apparente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est caché, c'est masqué. Vous avez un sentiment d'effondrement. Quand on vit, par exemple, des crises d'angoisse, ça peut être terrible parce qu'on a un sentiment de déréalisation, que tout s'effondre, que même on va pouvoir
mourir. Et on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et l'angoisse, elle, ce qui la rend de plus en plus, comment dire, ce qui fait qu'elle prend de plus en plus de place et ce qui la nourrit, c'est justement qu'elle se déclenche et on ne sait pas pourquoi. Si quelqu'un dit, mais je suis angoissée, mais pourquoi? Eh bien, vous n'avez pas la réponse à ça. Si vous n'arrivez pas à trouver la réponse, c'est que vous êtes plutôt dans l'angoisse. En réalité, il y a une vraie réponse, il y a un pourquoi, mais il est dans le disque dur de votre vie, certainement dans le passé, bien caché, bien masqué. Et du coup, vous ne l'avez pas directement en visible. C'est comme vous avez les logiciels et le disque dur, c'est dans le disque dur et donc du coup, vous ne l'avez pas en accès immédiat. D'où l'importance là de réaliser un travail en thérapie qui vous permet de traiter l'angoisse à la racine et de vous défaire de cette situation. Donc, qu'il y ait du stress, de l'anxiété ou de l'angoisse dans votre vie, déjà, première chose, vous avez compris qu'on ne va pas le traiter de la même façon. Et ensuite, dites-vous que qu'il y ait du stress, de l'anxiété ou de l'angoisse, vous allez pouvoir, en réalité, vous en débarrasser et pas faire en sorte que ce soit votre quotidien. Alors, quand je parle du stress, un stress ponctuel, c'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'on est stressé tout le temps, non-stop, là, c'est plus possible. Et surtout qu'en plus, bien entendu, il y a plein d'effets secondaires, plein de symptômes et de somatisations et de maladies qui peuvent se déclencher. Mais ça peut aussi, derrière, déclencher de l'anxiété et de l'angoisse. D'où l'importance de le traiter le plus tôt possible. Je n'ai pas parlé encore des phobies et des obsessions. Alors, les phobies et les obsessions, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen que votre cerveau a trouvé, oh le coquin, de traiter vos angoisses. C'est-à-dire de fixer votre angoisse sur quelque chose, notamment sur une phobie. Ça vous donne l'obsession, en fait, est un moyen notamment de trouver un contenant à vos angoisses, de façon à ce qu'elles ne se diffusent pas. On peut aussi se dire que lorsqu'on a vécu, par exemple, une attaque de panique, une crise de panique à un endroit et dans un contexte précis, la phobie se déclenche parce que elle associe le jour où vous avez eu, par exemple, cette crise de panique à son contexte. Imaginons que vous avez eu une attaque de panique dans un centre commercial, vous avez toutes les chances d'avoir une phobie des grands espaces ou une phobie des centres commerciaux ou d'être phobique lorsqu'il y a de la foule. Pourquoi? Parce que l'attaque de panique, c'est associé au contexte qui était, il y avait des grands espaces, il y avait beaucoup de monde ou j'étais par exemple dans un endroit fermé. Sachez qu'avant tout, pour votre cerveau, s'il crée entre guillemets une phobie, c'est pour essayer de concentrer votre angoisse à un endroit précis et que ça n'envahisse pas toute votre vie. Ce n'est pas très efficace, mais votre cerveau, lui, il a pensé bien faire en faisant ça. Donc, soyez sympa avec lui, ne le jugez pas et vous allez voir, votre cerveau, c'est votre meilleur allié. Il faut juste lui expliquer comment on se remet à jour tout simplement, de la même manière que de temps en temps, lorsque votre téléphone fonctionne moins bien ou alors tout simplement pour qu'il fonctionne mieux, qu'il continue de bien fonctionner, vous faites régulièrement des mises à jour. Et bien, votre cerveau, c'est pareil. De temps en temps, il a besoin de mises à jour. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème, ça veut juste dire que pour continuer à bien fonctionner, une mise à jour régulière est nécessaire. Et pour cela, j'ai envie de vous dire que dans votre vie, on vous a appris par cœur les départements, mais on ne vous a pas appris à mettre à jour votre cerveau. C'est bien dommage parce que sinon, vous seriez aujourd'hui autonome pour le faire seul. Mais c'est ce que je vais vous transmettre. Comment mettre à jour votre cerveau directement par l'élagage synaptique? C'est ce que je vais vous expliquer un petit peu loin dans cette session. Donc, restez bien avec moi. Vous allez avoir toutes les clés, je vous l'ai promis. Alors, maintenant, je vous propose une chose. Partagez avec moi, ici en commentaire, mais aussi sur votre papier, avec votre papier et votre stylo. C'est très important que vous preniez ce que j'appelle des moments de pause pour noter les choses, noter votre ressenti, posez-le et vous allez voir immédiatement vous distancier de l'émotion, de vous libérer de cette émotion que vous posez sur le papier ou en commentaire directement ici. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être plutôt sujet au stress, à l'anxiété, aux angoisses, à la phobie? Quel est un petit peu le terrain dans lequel vous vivez au quotidien? Et comment ça fait écho dans votre situation de vie? C'est-à-dire comment ça s'exprime? Est-ce que ça s'exprime de façon généralisée, c'est partout, c'est tout le temps, ou alors c'est uniquement professionnel, c'est uniquement affectif? Moi, je sais que on le voit souvent au sein de la clinique e-santé et même à mon cabinet en consultation, c'est de se dire,
Tiens, c'est Christelle, vous savez, en fait, moi, j'ai des angoisses et beaucoup d'anxiété au niveau personnel et amoureux. Par contre, au niveau professionnel, j'en ai pas du tout. C'est très carré, c'est ma compétence. Et donc, du coup, je suis pas stressée à cet endroit-là. Par contre, dans la vie affective, c'est très compliqué. C'est les anxiétés, c'est l'angoisse. Et même parfois, je me sens avec plein de conséquences, hein, des troubles du comportement alimentaire ou autre chose dans ma vie. Dites-moi si ça vous parle et est-ce que c'est plutôt généralisé ou à des endroits précis. Et si c'est que à des endroits précis, pareil, mettez-le en commentaire et écrivez-le sur votre papier, votre stylo. Vous allez voir qu'en fait, plus je vais vous faire écrire et prendre des notes, plus vous allez voir une sorte de cartographie se créer. Vous savez, lorsque vous étiez enfant, j'imagine que vous avez tous fait ce petit jeu des points reliés. Vous savez, on relie les points un par un et puis au fur et à mesure, on voit un visage, une forme avancée. Eh bien là, c'est pareil. Je vais vous faire point à point, noter des choses et vous allez voir apparaître vraiment tous les éléments vous permettant de pouvoir agir et vous défaire de cette situation. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez bien le temps de noter au fur et à mesure. Je prends le temps quelques instants de vous dire que, quelle que soit votre situation aujourd'hui, on va être très clair, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas levé un matin en disant, tiens, si j'étais stressée, anxiété, ou si je mettais de l'angoisse dans ma vie. Non, on va être très clair, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, comme tout le monde, vous auriez envie d'avoir une vie saine, épanouie, bien dans votre tête, bien dans votre peau, et pas vous poser 15 000 questions. Donc, si vous vivez ça, ce n'est absolument pas de votre faute. C'est juste qu'on ne vous a pas donné les moyens, les outils, ou alors il y a des éléments trop importants dans votre vie, des épreuves pour lesquelles vous n'étiez pas préparé, tout simplement, et qui ont fait que votre cerveau, il a trouvé certains moyens de vous adapter à certaines dans votre vie, mais vous n'avez pas eu tous les outils pour pouvoir vous remettre dans une forme d'équilibre. Donc, ce n'est absolument pas de votre faute, comme je vous ai dit. Ça appartient avec les blessures de vie qu'on a. On ne décide pas de les avoir. Elles s'imposent à nous. Par contre, clairement, aujourd'hui, vous allez voir que je vais vous donner les moyens de pouvoir avancer. Donc, ce n'est pas de votre faute. Par contre, vous allez avoir les moyens de pouvoir changer tout cela dans votre vie. Alors, quand je vous dis que ce n'est pas votre faute, on va aller regarder du coup du côté des causes. Des causes du stress, de l'anxiété et de l'angoisse. On va regarder, il y a six grandes causes, on va les détailler ensemble, on va prendre le temps. Là, c'est très 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 important que vous preniez le temps de vous poser, de vous centrer sur vous pour savoir comment ce que je vais vous expliquer fait écho, fait résonance dans votre vie, dans votre histoire de vie. Il faut savoir que donc l'écho, ça peut être lié au contexte de votre vie, à des besoins affectifs fondamentaux pour lesquels il y a des carences, un état de stress post-traumatique, l'héritage de l'enfance, du passé, mais aussi un comportement des comportements qui se sont orientés problème sans même qu'on s'en rende compte, et puis des schémas dysfonctionnels de répétition. Je prends le temps de vous les détailler maintenant. La première chose, donc comme je dis, c'est le contexte et l'accumulation. Dans un cadre où vous allez avoir un épuisement physique, mental qui sont là dans votre vie. Avec, par exemple, ça peut être des conditions précaires au travail, ça peut être des événements imprévus pour lesquels vous n'étiez absolument pas préparé, ça peut être un contexte familial difficile. Quand je parle du contexte et de l'accumulation, on le vit tous, par exemple, on l'a tous vécu avec la Covid, avec le confinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement, et cette accumulation, cette difficulté de prévoir l'avenir qui fait qu'au bout d'un moment il y a un épuisement physique, mental qui s'installe, il y a une accumulation, on a un sentiment de précarité, pas que au travail, précarité tout simplement même affective ou familiale, et on passe son temps à essayer de faire face à l'imprévu, mais ce contexte et cette accumulation est extrêmement épuisant à la fois physiquement et mentalement. Ce sont les premières sources de stress, d'anxiété et d'angoisse. Le contexte et l'accumulation dans ce contexte. On en a tous fait l'expérience. Pas une seule personne, même les personnes les plus fortes mentalement, ne peuvent pas dire que notamment, par exemple, la Covid n'a pas eu un effet que ce contexte et cette accumulation de contexte n'a pas eu d'effet dans notre vie. Je ne connais pas une seule personne, comme je dis, même les plus fortes, qui ne se sont pas fait un peu happer à certains moments.
Comme le deuxième point dans les causes, ce sont, on va aller creuser du côté des besoins affectifs fondamentaux pour lesquels il y aurait eu des carences. Alors, les carences de nos besoins affectifs fondamentaux, j'ai envie de vous dire, c'est là où je disais, c'est pas de votre faute, on n'est pour rien. Pourquoi ? Parce que ça, ça dépend pas de nous. Quand on est enfant, on choisit pas la famille dans laquelle on est né, même si selon certaines croyances, notamment chez les bouddhistes, il paraît qu'on choisit la famille dans laquelle on a eu envie de s'installer. Eh bien, en tout cas, quand on est enfant, on a ce sentiment qu'on subit en fait notre environnement. Alors parfois c'est un environnement sain, dans certains cas c'est un environnement toxique, pas évident, et dans certains cas, on a l'impression que l'environnement pourrait donner le sentiment qu'il est sain, mais peut-être que je peux avoir eu tout simplement des parents très pris, par exemple qui sont commerçants et quasiment pas là parce que ils doivent faire face à cette activité professionnelle et ils ont bien du mal à articuler la vie personnelle et la vie professionnelle. Et quand on est enfant un peu ballotté là-dedans, eh bien, on peut avoir eu ce sentiment de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été reconnu, de ne pas avoir pu partager, de ne pas avoir pu être soutenu et d'avoir développé des carences affectives. Dans certains cas, ce sont des violences conjugales, par exemple, parce que on est proche d'un divorce et on est au centre de tout ça. Et donc, du coup, on essaye de se faire oublier. Ça peut être d'avoir fait l'expérience d'un parent malade, un parent, une mère ou un père avec dépressif et pour lequel, eh bien, on s'est un peu oublié parce que ce parent demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et ça nous faisait un peu peur d'imaginer cette personne avec autant de vide en soi et d'avoir ce sentiment de ne pas être suffisamment à la hauteur même de pouvoir répondre à l'amour de ce parent. Il y a plein d'exemples qui peuvent faire, et vous allez voir, on va y revenir tout à l'heure, qu'il y a des carences dans les besoins affectifs fondamentaux et qui créent de l'anxiété et de l'angoisse. C'est une des causes principales de l'anxiété et des angoisses. Ça peut être les conséquences d'un état de stress post-traumatique lorsque vous avez vécu un deuil, un choc, un accident, une maladie. Vous avez un état de stress post-traumatique, c'est un trouble qui fait suite à un traumatisme de vie avec un stress extrêmement intense, puissant, qui parfois ne s'est pas développé de façon directe, a été refoulé, réavalé et va se déclencher parfois des jours, des mois, voire des années plus tard. Et c'est parfois un contexte heureux dans votre vie, comme par exemple une naissance qui va rejouer en fait un traumatisme du passé qui va revenir dans votre présent et qui en fait, en fond de cours, va commencer par exemple à déclencher chez vous des angoisses. Moi, j'avais le cas d'un patient qui allait devenir donc jeune papa et qui avait vécu le divorce de ses parents suite à l'homosexualité de son père qui a été assumé. Et donc du coup ça a créé dans sa vie des questions, et au moment de l'arrivée de ce jeune de cet enfant qui arrive dans sa vie, c'était de se poser la question du père que j'allais être, mais aussi de cette homosexualité du père qui n'avait jamais été vraiment abordé, et du coup tout revenait dans sa vie. Et donc là, ça a commencé par des attaques de panique, des angoisses, de la tachycardie, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on appelle donc un état de stress post-traumatique, mais pour autant qui semblait complètement caché parce que pendant 15 années avant l'arrivée de ce jeune enfant, ben franchement, il allait super bien, ce patient. Donc, quand on a défait un peu la pelote pour comprendre ce qui s'était passé, eh bien, on se rend compte que l'état de stress post-traumatique, il est arrivé après et on ne l'avait pas du tout vu venir. Peut-être que c'est votre cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, dites-moi si ça vous passe, si vous-même vous avez vécu un choc, un deuil qui a été difficile, qui a eu des accidents de vie, une maladie, pas forcément la vôtre, ça peut être aussi une maladie externe ou d'un proche et que ça a créé chez vous une source de stress, d'anxiété ou d'angoisse dans votre vie.
Quatrième cause possible, c'est ce que j'appelle l'héritage de l'enfance qui peut être lié. Alors, quand je dis l'héritage de l'enfance, par exemple, je vais commencer par le mimétisme. Lorsqu'on a des parents, par exemple, anxieux ou angoissés, on a toutes les chances de soi-même développer de l'angoisse ou de l'anxiété. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'en fait, on est baigné là-dedans et comme on a des parents qui sont envahis ou un parent qui est envahi par la peur, on est soi-même envahi par la peur et l'anxiété. Ce besoin de vouloir tout contrôler et en même temps, ce sentiment constant d'impuissance à ne pas pouvoir tout contrôler et donc encore plus d'anxiété, encore plus d'angoisse. Ça peut être lié à une éducation, ça peut être lié à un formatage. C'est intéressant de prendre le temps de regarder quel est l'héritage de mon stress, de mon anxiété, de l'angoisse qui s'érige, entre guillemets, du passé. Vous pouvez être quelqu'un d'ultra stressé, tout simplement parce que vous avez des drivers ou de vie où en fait vous devez constamment être dans l'urgence de faire parce que en fait vous avez recréé ce système dans lequel vous étiez enfant. Vous avez des parents qui sont hyper speed où on n'a jamais le temps de faire les choses, il faut toujours se presser ou alors qui sont toujours en retard et vous-même vous êtes toujours en retard. Donc c'est tout cet héritage de l'enfance qui se recrée sans même qu'on se soit posé de questions. Mais qui parfois nous pollue dans la vie. Rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà avancé. Pareil, dites-moi quels sont selon vous les héritages que vous avez de l'enfance. Comme ça, là, spontanément, qu'est-ce qui vous vient ? Et notez-le, qu'est-ce qui vous vient ? Vous savez, vous allez vous rendre compte dans cette session qu'au fur et à mesure que je vous aborde certains sujets, il y a des souvenirs qui vous reviennent, des images qui vous reviennent. N'hésitez pas au fur et à mesure à les noter. Ce sont des informations précieuses pour pouvoir vous guérir et pour pouvoir mettre à jour tous ces éléments du passé qui viennent impacter votre contexte et votre présent. Cinquième cause possible, les comportements qui sont orientés problème. Les comportements orientés problème, c'est inconscient. Ce n'est absolument pas de votre faute, mais ce sont des comportements que vous entretenez sans même vous en rendre compte tous les jours. C'est-à-dire, plutôt que par exemple d'assumer que vous pouvez faire des erreurs en disant voilà, ouais, je me suis trompée, c'est pas grave, voilà, je me suis trompée, eh bien, vous allez vous justifier ou nier, mais non, je me suis pas trompée, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, vous allez être dans le mensonge, vous êtes dans le cachet, les choses. Et ce sont, sans que vous en rendiez compte, des comportements orientés problème. Vous pouvez pas vivre avec constamment l'idée que vous n'avez pas le droit à l'erreur, par exemple. Et donc, si vous vivez avec cette idée que vous ne pouvez pas avoir le droit à l'erreur, vous allez passer votre temps à vous justifier ou à nier les choses. Ou alors, vous allez préférer accuser les autres parce que pendant que vous accusez les autres, vous avez l'impression inconsciemment que vous vous protégez et que vous vous évitez une peur. Mais en réalité, vous ne faites que entretenir votre sentiment d'impuissance et de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur les choses. Donc, retenez bien ça, les comportements orientés problèmes, il y a une astuce, une vraie clé pour pouvoir passer d'un comportement orienté problème à un comportement et des comportements orientés solution. Et ça, il y a concrètement des actions au fur et à mesure pour pouvoir transformer ça. C'est même un des premiers leviers à mettre en œuvre. Alors, sixième cause, les schémas dysfonctionnels de répétition. Alors, qu'est-ce que c'est que les schémas dysfonctionnels de répétition ? Il s'agit, en fait, de, là aussi, de mécanismes, en fait, qui vous, pourquoi j'ai mis un petit peu cette marionnette, où vous vous auto-marionnettez vous-même sans vous en rendre compte. Parce que vous allez avoir des pensées automatiques. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous voyez une copine, et « Ah, tiens, t'as une nouvelle robe !» Eh bien, immédiatement, votre pensée automatique, ah bon, elle ne me va pas. Votre pensée automatique vous met immédiatement dans l'interprétation que quelqu'un vous dit, tiens, t'as une nouvelle robe, c'est obligatoirement qu'elle ne vous va pas. C'est aussi vous mettre parfois dans des schémas de dépendance parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous avez peur et vous demandez aux autres, par exemple, de vous rassurer. Ou alors la peur de l'abandon qui vous fait ne pas rentrer en relation avec l'autre ou ne pas vous attacher. Parce que comme ça, vous êtes sûr de ne pas être déçu. Mais du coup, vous avez toujours ce sentiment de manque affectif dans votre vie. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi à quoi ça fait écho dans votre vie. Mettez-le en commentaire parce que vous savez que nous sommes une communauté et votre expérience va certainement faire écho à d'autres expériences, à d'autres personnes de la communauté qui vont pouvoir vous dire « moi je me reconnais dans ce que tu me dis et ça me fait du bien de l'entendre parce que je ne suis pas seule et aussi… » Lorsque vous avez traversé, vous avez dépassé ces schémas dysfonctionnels, je pense notamment aux personnes de la clinique e-santé, aux personnes en consultation qui ont pu traverser ça,
Allez-y, expliquez comment vous avez pu mettre des mots là-dessus et sortir de ces schémas dysfonctionnels. On a besoin de vous. Je rappelle qu'on est une communauté et c'est ensemble qu'on avance. Alors, il y a aussi un grand stimulateur de tout ça, de la peur, de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Qu'est-ce que c'est ? C'est le grand sentiment d'impuissance. Et le sentiment d'impuissance, il est diffus, il est partout. Et il crée deux choses. Un, une baisse du taux de sérotonine, et donc du coup, un risque de dépression. Et en tout cas, la sérotonine, je rappelle que c'est la molécule du bonheur, c'est celle qui fait que vous avez, vous allez avoir en effet cette joie de vivre, ce mouvement de bien-être dans votre vie. Et l'impuissance va aussi agir au niveau de votre cerveau en créant un système d'hypersensibilité et d'hyperactivité, à la fois de la pensée, mais aussi une hypersensibilité émotionnelle et vous devenez réactif à tout. C'est épuisant physiquement, c'est épuisant psychiquement. Donc, le grand stimulateur de tout ça, c'est l'impuissance. Et donc, bien entendu, quel est le premier endroit où on va travailler pour traiter le stress, la peur et l'anxiété ? C'est le sentiment d'impuissance. Je dis bien sentiment d'impuissance, c'est important parce qu'en réalité, il n'y a jamais d'impuissance réelle. Il y a un sentiment d'impuissance et donc il y a un moyen concret de pouvoir mettre un levier anti-impuissance. Très simple, très concret pour pouvoir justement diviser, mais vraiment par deux, de façon quasi immédiate, le stress, la peur, l'anxiété et les angoisses. Alors, si je reprends un petit peu votre carnet des causes, je vous ai dit qu'il y avait six grandes causes, stress, anxiété, angoisse. Vous, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous auriez envie de noter dans votre carnet des causes ? Est-ce que si vous faisiez une sorte de baromètre d'intensité, quelles sont les causes les plus importantes dans votre vie ? Est-ce que c'est plutôt l'héritage de l'enfance ? Est-ce que c'est plutôt des traumatismes de vie ? Est-ce que c'est parce que sans vous en rendre compte, vous avez un comportement orienté problème ? Est-ce que c'est plus l'accumulation du contexte de vie qui fait que... Dites-moi en commentaire, dans votre carnet de causes, écrivez-le. C'est des clés très importantes pour la suite, pour pouvoir vous sortir de cette situation, guérir et avancer. Alors, vous venez de passer une première étape énorme. Grâce à votre carnet des causes, grâce à tout ce que vous avez noté, je vous ai dit que vous étiez en train de créer une sorte de schéma point par point pour laisser émerger quelque chose. Donc, vous avez déjà compris qu'est-ce qui se joue entre le stress, la peur, l'anxiété et l'angoisse, la différence entre toutes ces éléments de ressenti et de vécu. Et comprendre, c'est la première étape pour avancer. Et bien, cette première étape, vous venez de la réaliser. Donc, check, yes, ça c'est fait. Et vous pouvez déjà vous féliciter. Et moi, je vous félicite pour ça parce que vous êtes là. Vous êtes avec moi dans cette session parce que vous avez envie d'avancer, parce que vous avez envie de vous en sortir. Donc, déjà, ça montre que vous êtes dans le bon mouvement et que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Comme je dis, en fait, c'est pas inné. Tout ceci s'apprend. Plus on apprend dans notre vie, plus en réalité on grandit et plus on se sent en maîtrise de soi, de son environnement et être maître de sa vie. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, de reprendre les manettes pour vous sortir de tout ça. Alors, maintenant, on va passer à votre diagnostic. Donc, pour bien se soigner, comme je l'ai dit, ça commence par un bon diagnostic et c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Hop, je prends un petit peu de thé et je vous accompagne pour la suite. Papier, stylo, c'est prêt ? Vous êtes avec moi ? Alors, c'est parti. Donc, comme je vous disais, hop, prenons à présent le temps ensemble, en effet, comme je vous ai dit, d'évaluer votre situation personnelle. Vous avez normalement pris votre papier, votre stylo depuis un bon moment. Si ce n'était pas encore le cas, c'est maintenant le moment de le faire. On est parti. Est-ce que, d'ailleurs, je vous pose cette question maintenant, là, comme ça, et je vous propose de réagir immédiatement. Est-ce que vous pensez qu'on peut être anxieux par nature ? Avec tout ce que je vous ai dit juste avant, est-ce que, selon vous, on peut être anxieux par nature ? Dites-moi. Eh bien, je vais vous dire qu'en réalité, non. On peut être anxieux, oui, très tôt dans sa vie. Même, j'ai envie de dire, de façon épigénétique, on peut nous avoir transmis dans notre épigénétique, eh bien, de l'anxiété.
D'accord? Mais ce n'est pas notre nature profonde. Il y a une différence entre ce qu'on a développé par notre environnement et par ce que nous, on nous a, transmis, mais ce n'est pas notre nature. Et donc, tout l'intérêt, toute l'importance, c'est de comprendre que votre anxiété n'est pas du tout votre nature profonde. Votre anxiété, c'est une conséquence, d'accord? Retenez bien ça parce que si vous prenez bien conscience que ce n'est pas dans votre nature, vous allez pouvoir changer. Si je vous dis, par exemple, je suis dépressif, par exemple, je suis dépressif, c'est pas pareil que j'ai une dépression. Quand on se dit dépressif, c'est comme si on avait le sentiment que la dépression faisait partie de notre identité. Alors, si c'est pareil, vous pouvez dites, apprenez à ne pas dire, par exemple, je suis anxieux ou je suis angoissé, mais dites, j'ai des angoisses ou j'ai de l'anxiété. Pourquoi? Parce que vous allez vous défaire de l'idée que ça fasse partie de vous. Ce n'est pas dans votre nature, ce n'est pas dans votre personnalité, ça ne fait absolument pas partie de votre identité. C'est une conséquence et vous allez pouvoir vous en défaire pour pouvoir laisser vraiment émerger votre vraie nature profonde. D'accord? Alors, pour comprendre et dans ce diagnostic, on va savoir un petit peu comment votre solidité affective, elle était là ou pas pendant l'enfance. J'en ai parlé tout à l'heure, ça peut faire partie des causes de l'anxiété, des peurs, de l'angoisse et du stress. Alors, il y a trois types de solidité affective. En réalité, il n'y a qu'une seule qui est solide, c'est celle de d'un attachement sécure qui permet d'avoir une solidité affective. Qu'est-ce que c'est qu'un attachement sécure à équilibrer? C'est lorsque, enfant, on vous a donné les moyens d'une bonne maturité affective, une maturation affective, où on donne les moyens à l'enfant de se sécuriser, de se tromper, de faire des erreurs, de l'accompagner, de lui laisser l'autonomie pour grandir, pour se réaliser. D'accord? Et donc, cette bonne mise en autonomie au fur et à mesure de l'avancée de l'enfant, de ses besoins, en tenant compte de ses besoins affectifs, mais en lui laissant l'espace et l'autonomie pour pouvoir le faire, mais en lui donnant aussi les moyens d'être présent, d'être là, fait que vous êtes équilibré, que vous êtes bien avec vous et que vous êtes bien avec l'autre. Et dans certains cas, on a eu une construction affective un petit peu carencée. Et comme je dis dès le démarrage, cette construction affective carencée, vous y êtes pour rien parce que c'est vraiment quelque chose qui se construit lorsqu'on est enfant et on n'a pas choisi. Donc, on va faire avec. Donc, quelle que soit votre solidité affective de premier niveau, c'est-à-dire que celle qu'on vous a transmise, entre guillemets, et que ce soit attachement sécure, hyper-attachement ou attachement évitant, vous allez pouvoir reconstruire un attachement sécure. Je préfère vous le dire tout de suite, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solidité affective carencée? Il y en a deux types. Soit vous avez été dans ce que j'appelle de l'hyper-attachement. L'hyper-attachement anxieux, notamment. C'est un environnement où, enfant, vous n'avez pas pu agir, choisir, sans l'ultra présence, sans l'intention du parent, le père, la mère ou la personne qui représente la parentalité, le parent, et c'est une ultra présence de l'autre, constance qui fait, par exemple, que vous dites non, ne le fais pas, tu vas pas y arriver, ou je vais te le faire, ou attention, ou en fait, c'est-à-dire que vous avez eu ce sentiment que de toute manière vous ne pouviez pas être en sécurité si il n'y avait pas votre parent à côté de vous constamment, tout le temps, pour tout. C'est quelqu'un qui vous a presque étouffé tellement il y a eu de l'attachement. Alors, parfois, on ne se rend pas compte, on peut être un parent, quand on est un parent, par exemple, très anxieux, on a toujours peur pour son enfant, on ne le laisse pas faire seul, on interagit tout le temps et du coup, ça a comme conséquence, quoi, que justement, vous avez ce sentiment que vous ne pourrez rien faire sans l'autre. Et ça crée chez vous ce qu'on appelle un hyper-attachement. L'opposé à ça, c'est l'attachement évitant. C'est lorsque, notamment, vous avez été dans un environnement où vous avez dû essayer de faire face, cacher vos besoins, être dans le déni de vos vrais besoins. Soit parce que vous étiez dans un environnement violent, toxique, ou alors
j'ai envie de dire, un peu dépressif ou avec des parents qui étaient très absents, qui étaient très accaparés ou malades. Et donc, du coup, vous vous êtes construit dans le déni de vos propres besoins. Vous vous êtes plus intéressé à l'autre qu'à vous-même. Et vous avez fait tout ce qu'il faut pour paraître, en effet, autonome. Et vous avez mis à distance vos propres besoins en pensant que c'est ce qui vous permettrait, en fait, d'être aimé, de vous structurer ou alors tout simplement de faire face. Vous êtes, quand on est dans ce système carencé de l'attachement évitant, vous n'êtes ni bien avec vous-même et vous n'êtes ni bien avec l'autre. On retrouve par exemple ici des personnes dans l'attachement évitant qui vont passer plus de temps à prendre soin des autres adultes qu'à prendre soin de soi, qui sont dans l'incapacité de savoir quels sont leurs propres besoins, mais par contre qui sont super bons, super forts, super efficaces pour prendre soin des besoins des autres. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans quoi vous vous retrouvez. Et si vous êtes plutôt, par exemple, adulte dans l'hyper-attachement, vous êtes dans ce sentiment que de toute manière, vous ne pouvez rien faire par vous-même. Par exemple, il est improbable d'imaginer que vous puissiez conduire votre voiture pour faire un déplacement seul. Vous avez le sentiment que vous n'y arriverez pas. Vous avez du mal à envisager d'aller à un entretien d'embauche seul parce que vous avez le sentiment que de toute manière, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, c'est toutes ces choses là qui font que la carence affective qui s'est créée enfant, eh bien, vous poursuit dans votre vie d'adulte. Dites-moi en commentaire, partagez avec moi dans quoi vous avez le sentiment de vous retrouver, et surtout notez bien, est-ce que vous avez le sentiment maintenant, parce que ça fait partie de votre autodiagnostic, d'être plutôt dans une solidité affective équilibrée ou carencée, et si elle est carencée, est-ce que c'est de l'hyper-attachement ou de l'attachement évitant? Notez-le, prenez bien le temps de le noter. Alors, demandons-nous maintenant qu'est-ce qui alimente le stress, l'anxiété et l'angoisse. Je vais vous parler d'une triade. En réalité, les trois ingrédients qui alimentent la peur sont les pensées, les sentiments et les comportements. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. On a la possibilité d'ailleurs, et ça, si vous retenez bien cette triade, elle peut être négative, ce que j'appelle un bad cycle, ou alors un kiff cycle. Cette triade des pensées négatives ou pensées toxiques vont donner lieu à des sentiments négatifs et vont engager des comportements négatifs. A contrario, si vous mettez en œuvre des pensées positives, vous allez avoir des sentiments positifs et des comportements positifs. Et ce qui est génial avec cette triade, elle est extrêmement efficace, c'est qu'à tout moment, vous pouvez décider, pas forcément d'agir sur vos pensées, mais directement sur votre comportement, votre sentiment. Commencez par ce que vous voulez, mais si par exemple, vous commencez déjà à avoir un comportement positif, ça va engager des pensées positives et un sentiment positif. Par exemple, en ce moment, avec moi dans cette session, vous êtes dans un comportement positif. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'agir pour pouvoir comprendre où vous en êtes et pouvoir, dire stop à ce stress, cette peur ou cette anxiété et cette angoisse. Du coup, rien que là, le fait que vous soyez dans ce comportement positif, ça va engager chez vous des pensées qui sont plus saines, avec de la compréhension, avec des mots sur des choses. Et donc, du coup, vous avez moins à avoir ce sentiment d'impuissance et plus avoir un sentiment de se dire « Ok, je comprends, je peux faire face. » Et vous allez plutôt avoir un sentiment avec du courage, de la motivation qui revient et peut-être tout simplement le fait à nouveau d'y croire, le fait que oui, vous pouvez vous en sortir. Donc, ces trois ingrédients, ils alimentent la peur, mais ils sont aussi les trois ingrédients qui vous permettent de vous défaire de la peur, du stress et de l'anxiété. Il suffit juste d'inverser le plus et le moins, tout simplement. Alors, creusons justement un petit peu dans un premier temps du côté de vos pensées. Quel est l'espace entre vous et vos pensées? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez quel est l'espace qui existe entre vous et vos pensées? On va faire un exercice ensemble là maintenant. Imaginons, je vais vous demander de regarder par exemple devant vous. Allez, regardez devant vous là pendant quelques instants et fixez un objet de votre choix. Allez-y, vous le fixez, regardez-le. Et là, vous vous dites, tiens, j'entends plus Christelle. Est-ce que elle est toujours là? Est-ce que c'est mon ordinateur qui bug? Ou non, c'est bon, je continue à me centrer sur cet objet. On recommence ensemble. Allez-y, je suis toujours là, même si vous n'entendez plus le son, je vais me taire pour que vous puissiez vous centrer sur cet objet. Allez-y.
Je vous demande maintenant, est-ce que vous avez, d'après vous, combien de temps s'est-il passé entre le moment où je vous ai demandé de regarder cet objet et le moment où j'ai dit stop? En réalité, il s'est passé un petit peu moins de 20 secondes. Et maintenant, je vais vous poser la question. Avez-vous réussi à vous fixer sur cet objet sans penser, sans rien penser autour sur est-ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, ça me fait penser à ça, Christelle, ou alors, combien, qu'est-ce qu'elle veut vraiment que je fasse, c'est quoi cet exercice? Quel espace y a-t-il eu entre mon indication pour ce mini-exercice et l'invasion, entre guillemets, de vos pensées? Si vous avez le sentiment que vous avez pensé dans les moins de 5 secondes qui suivent, notez-le et on va en reparler tout à l'heure. Alors, dans quel type de pensée vous avez tendance à vous reconnaître? On va le faire une échelle de 0 à 12 et je vais vous demander de cocher dans quel type de pensée vous vous reconnaissez. C'est le « je me dis que ». Est-ce que vous avez tendance à vous reconnaître dans des pensées qui sont négatives ou anxiogènes dans votre vie? Je me dis que oui, mais peut-être que ça pourrait arriver, mais bon, peut-être que et si qui est anxiogène, et si qui est négatif. Est-ce que vous avez une tendance à l'auto-dévalorisation? De toute manière, je n'y arriverai jamais. De toute manière, ça n'arrive qu'à moi. Est-ce que vous avez une tendance à être dans l'auto-jugement? De toute façon, je suis nulle. De toute façon, moi, je n'y arriverai jamais. Est-ce que vous avez constamment besoin de l'approbation de l'autre pour agir ou pour même penser? Est-ce que vous avez un tempérament plutôt pessimiste, hein? Pensez que de toute manière, ça, c'est pas possible, on n'y arrivera pas et le monde est moche et, tout est impossible pour vous, vous vivez dans un monde tout gris. Est-ce que vous avez un sentiment de manque de confiance ou un manque d'estime de vous? Est-ce que vous avez régulièrement peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que vous avez plutôt une tendance à l'exagération dans votre vie? L'idée du pire, par exemple. Est-ce que vous avez peur de tout? Est-ce que vous avez peur de vous? Est-ce que vous avez peur du regard de l'autre? Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans un flux de pensées incessantes? Notez maintenant le nombre de fois où vous avez dit oui. Donc, sur un total de 0 à 12, vous allez avoir donc soit 0, 1, 2, 3 ou 12 fois où vous aurez dit oui. Vous le notez, vous le gardez bien précieusement, on va en avoir besoin pour la suite de votre diagnostic. Maintenant, je vais passer au comportement. Dans quel type de comportement vous vous reconnaissez? On est sur un saut total de 6. Dans quel type de comportement vous vous reconnaissez? Est-ce que vous avez tendance au contrôle et à l'hypervigilance? Est-ce que vous avez une tendance à l'agressivité et à la colère? Est-ce que vous avez une tendance au mensonge? Est-ce que vous êtes le roi de la procrastination ou la reine de la procrastination? Est-ce que l'indécision, ça vous parle? Est-ce que vous avez tendance à avoir des troubles du comportement alimentaire? Boulimie, hyperphagie, boulimie anorexie, dites-le-moi. Donc là, sur cette première page, sur les comportements, vous notez votre sous-total sur 6. Dans la suite des comportements, est-ce que vous avez tendance à avoir des comportements de dévalorisation, à être ultra-perfectionniste, à être plutôt dans la fuite ou l'évitement? Est-ce que vous avez constaté certaines formes de dépendance ou d'addiction, que ce soit aux médicaments, que ce soit au tabac, à l'alcool, au café, au thé ou d'autres choses? Est-ce que vous avez, si vous avez déjà réalisé les tests sur la clinique e-santé sur les drivers, un driver de type dépêche-toi ou fais plaisir? Je vous invite d'ailleurs à vraiment aller réaliser le test sur les drivers qui est disponible sur l'application de la clinique e-santé, que ce soit directement sur votre téléphone ou sur votre tablette, mais aussi depuis l'ordinateur, depuis le site. Vous allez avoir des indications précieuses par rapport à vous et comment vos drivers de vie conditionnent inconsciemment votre vie. Est-ce que vous avez tendance à avoir un comportement dépressif? Pareil, sur une échelle de 0 à 6, notez où vous en êtes. Et enfin,
On termine par les trois derniers comportements. Est-ce que vous avez besoin de l'approbation de l'autre? Est-ce que vous avez un besoin d'exclusivité? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt d'évitant, méfiant dans la relation? Pareil, sur un total de trois, vous notez. Et donc, du coup, vous allez associer sur ces trois dernières pages les trois types de comportements. 6, 6 et 3. Et vous faites un total sur 15 pour savoir dans quel type de comportement vous vous reconnaissez, quel est votre total sur 15. On va passer maintenant à votre ressenti sur l'impuissance, le stress, l'anxiété et l'angoisse. Sur une échelle de 0 à 10, votre sentiment d'impuissance. 0, je ne me sens pas du tout impuissant. 10, je me sens impuissant dans ma vie. Quelle est votre échelle d'intensité sur une échelle de 0 à 10? Pareil pour le stress, sur une échelle de 0 à 10, comment vous vous sentez dans cette échelle d'intensité? Au niveau de l'anxiété, à nouveau, sur une échelle de 0 à 10, comment vous vous ressentez? Et enfin, sur une échelle de 0 à 10, en termes d'angoisse, comment vous vous ressentez? Et vous additionnez ceci sur un total sur 40 points. Et maintenant, on va pouvoir faire votre diagnostic stress et anxiété pour savoir où vous en êtes. Alors, déjà, à présent, si vous avez eu le sentiment que dans votre vie d'enfant, vous avez eu une solidité affective qui était carencée. Si celle-ci a été carencée, vous notez un point. Si au niveau des signaux du mode de pensée, sur un total de 12, vous êtes supérieur à 6, vous notez un point. Sur les signaux du comportement, sur un total de 15, si vous êtes supérieur à 7, vous notez un point. Au niveau des signaux des ressentis, si sur un total de 40, vous êtes supérieur à 22, vous notez un point. Et enfin, tout à l'heure, je vous ai fait faire un premier exercice en vous demandant quel était l'espace entre vous et vos pensées. Si le résultat est inférieur à 30 secondes, vous notez un point. Et maintenant, vous allez avoir donc un résultat entre 0 et 5 points. Et on va pouvoir ensemble regarder l'échelle de déséquilibre ou pas de votre psychophysique pour vous. Donc, en termes de stress, de peur, d'anxiété et d'angoisse, quelles sont les conséquences au niveau de votre déséquilibre physique et psychologique? Voici l'échelle d'intensité. Si vous avez entre 0 ou 1, il n'y a pas de déséquilibre. Si vous avez 2 points, vous êtes dans un déséquilibre psychophysique léger. Si vous avez 3 points, vous avez une échelle, c'est-à-dire que la peur, le stress, l'anxiété et l'angoisse créent un déséquilibre chez vous modéré. Et si vous êtes sur une échelle supérieure à 4, vous êtes dans une échelle d'intensité sévère. Prenez donc le temps d'identifier aujourd'hui où vous en êtes. À partir de cette échelle, quel est votre ressenti? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que vous ressentez? Est-ce que ça met des mots sur ce que vous vivez? Vous dites, bah oui, je comprends mieux au niveau physique et émotionnel. Alors, léger, modéré, sévère, à partir du moment où on est modéré et sévère, il est vraiment important d'être vigilant parce que vous avez des conséquences d'un réel déséquilibre à la fois sur votre physique et sur tout ce qui est psychologique et émotionnel dans votre vie. Donc, vous êtes en train d'attaquer votre capital santé à partir du moment où vous dépassez le quota léger. Et ça, c'est très, très important. C'est là où, justement, derrière, on se retrouve avec des problématiques, des somatisations, des maladies, un déséquilibre, des dépressions, ce genre de choses. On va aller plus loin, justement. On va aller regarder quelles sont les conséquences qu'il y a peut-être déjà, vous, dans votre vie. Alors, quel est votre niveau de déséquilibre? Dites-le-moi pour savoir aujourd'hui où vous en êtes. Dites-moi en commentaire, partagez-le, écrivez-le où vous en êtes. Partagez aussi avec la communauté. Est-ce que vous attendiez à ce type de réponse? Est-ce que ça ne fait que conforter? Ça vous aide parce que ça met en mots ce que vous vivez? Dites-le-moi, partagez-le en commentaire. Est-ce que, du coup, même on peut dire que aujourd'hui, vraiment, vous prenez conscience des effets du stress, de l'anxiété dans votre vie? Comment la peur qui engage tout ça ronge vraiment votre vie, votre cerveau, votre quotidien, votre corps au quotidien?
Si la réponse est oui, mettez un like, dites-le moi, c'est une façon en likant de pouvoir vous, comment dire, réagir et ça me permet pour voir, pour moi en temps réel, de voir où vous en êtes. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vos, comment vous prenez conscience. Vous savez, dans cette image, je vous montre ce qui se passe au niveau de votre cerveau, de votre cœur, mais aussi de votre corps. Le stress, l'anxiété, l'angoisse envahissent vraiment tous les éléments de notre vie. Et c'est vraiment une des premières sources pour endommager notre capital santé. Ça, c'est important à prendre en compte. Alors justement, on va s'intéresser maintenant à observer quelles sont les conséquences et les effets secondaires dans votre vie. Quelles sont les conséquences sur votre santé ? On va le regarder maintenant. Les premières conséquences, et pareil, là, checker un peu où vous en êtes. Parce qu'il y a aussi plein de conséquences que vous connaissez et plein d'autres où vous avez ça dans votre vie, mais vous ne saviez pas que c'était la conséquence d'un stress, d'une anxiété ou d'une angoisse. Les conséquences sur votre santé, donc on a des problèmes dermatologiques, de l'eczéma, du psoriasisme, un zona. Ça, c'est des grands classiques. Le zona étant en lien souvent avec un stress plus intense, plus profond dans votre vie. Des tensions musculaires, des spasmes, le mal de dos, c'est un grand classique. Mais aussi des vertiges, des malaises. Vous allez avoir des palpitations, vous allez avoir le souffle coupé, des douleurs thoraciques, des tremblements excessifs, des malaises vagaux. Peut-être que ça vous parle aussi. Vous pouvez aussi être sujet aux troubles gastro-intestinaux, respiratoires, de l'asthme, des ulcères. Et vous n'avez pas forcément fait le lien entre votre stress, votre anxiété, vos angoisses et l'asthme que vous avez ou l'ulcère que vous avez. L'ulcère, je rappelle que c'est un trou dans l'estomac et en réalité, c'est la conséquence d'un stress extrêmement important et qui s'est installé sur la durée, qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, le corps agressé par le stress eh bien, est agressé constamment et donc du coup, ben, il ne peut plus faire face. Vous avez à avoir d'autres douleurs et des maux généralisés qui peuvent s'installer, qui vont s'installer. Et surtout, bien entendu, une fatigue chronique avec des insomnies, un sommeil qui est non réparateur et qui fait une sorte de cercle vicieux. Parce que comme vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur, eh bien, vous allez développer d'autres conséquences en sauté dans votre vie. Autre conséquence sur votre santé, un grand classique avec le temps, c'est la dépression, notamment stimulée par le grand sentiment d'impuissance qu'il y a dans votre vie, mais aussi les troubles anxieux généralisés, une détérioration de l'estime de soi, avec, il ne faut pas le passer sous couvert, dans certains cas, des risques de suicide, d'où l'importance de prendre conscience, de mettre des mots là-dessus. Ça peut être aussi des troubles du comportement, comme je l'ai dit, troubles du comportement alimentaire, mais aussi troubles obsessionnels compulsifs, le TOC notamment, de la même façon que la phobie, est un moyen de contenir en réalité vos angoisses ou votre forte anxiété. Donc si vous êtes sujet au TOC ou à d'autres troubles du comportement, je rappelle qu'un accompagnement thérapeutique est nécessaire pour pouvoir vous en sortir, sinon ça va complètement envahir votre vie et avoir des conséquences parfois graves sur votre santé, à la fois votre santé réelle, mais votre santé relationnelle, votre santé affective, votre santé familiale. Soyez très attentifs à ça. Il y a bien entendu les conduites addictives qui sont un moyen. J'ai du stress, j'ai de l'anxiété, je bois un petit coup régulièrement, ça me permet de me calmer. Ou alors, je fonctionne au Xanax matin, midi et soir. Et en fait, on se retrouve sans s'en rendre compte dans des conduites addictives. On a aussi parfois des conduites addictives de personnes qui sont stressées ou anxieuses, qui sont des candidats au burn-out parce que vous allez ne pas mettre de limites, par exemple, dans votre travail. Vous êtes tellement stressé et anxieux que vous n'arrivez pas à dire non. Vous avez toujours peur de mal faire et donc vous ne mettez pas de limites. Vous vous laissez déborder par le travail. Et enfin, on peut aussi avoir des troubles de la personnalité, c'est-à-dire des dépersonnalisations, des troubles paranoïaques, de l'hypervigilance dont on a parlé tout à l'heure, voire même de l'hystérie. Ça arrive aussi.
C'est pour ça que je prends le temps de vous en parler. Si vous vous retrouvez dans les différentes conséquences en santé, surtout ne jugez pas. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et dites-vous qu'à chaque conséquence, il y a un moyen d'agir. Vous n'allez pas pouvoir tout traiter d'un seul coup, ça ne servirait à rien. On ne peut pas additionner, comme je disais, enfin, on vous disait que vous ne pouviez pas additionner des carottes avec des courgettes. Eh bien, là, de la même façon, on ne va pas pouvoir traiter en même temps le trouble anxieux et la dépression, mais on va traiter la dépression, on va traiter le trouble anxieux, on va traiter la conduite addictive, on va traiter les troubles du comportement alimentaire. Lorsque vous êtes dans un travail thérapeutique, à chaque symptôme, il y a une action précise et c'est ce qui vous permet, avec un protocole adapté, de vous sortir de votre situation, quelle que soit son intensité, légère, sévère ou modérée. Et il faut savoir que c'est vrai que notre mental parfois favorise tous ces effets secondaires. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. C'est ce que j'appelle l'effet barbapapa. L'effet barbapapa, c'est quoi? C'est lorsqu'en fait, votre pensée ne fait qu'intensifier la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, d'une petite chose, une pensée amène une autre pensée qui amène une autre pensée et fait que vous vous sentez envahi de stress, de peur et d'anxiété, ça fait cet effet barbapapa, alors qu'au début, pour une barbapapa, c'était juste un tout petit peu de sucre, mais d'un seul coup, ça prend beaucoup d'ampleur. Et quand on est dans cet effet barbapapa et qu'on ne s'en rend plus compte, eh bien, nous sommes envahis et toutes les conséquences et les effets secondaires ne sont bien là. Mais en fait, avec, en règle générale, très peu de choses au démarrage. Et c'est bien de se rendre compte que souvent, quelques grains de sable au démarrage peuvent créer ce gros effet barbapapa, mais du coup, en agissant à la source de ces grains de sable, eh bien, tout va pouvoir en fait se calmer très rapidement, s'apaiser rapidement et se traiter rapidement. Alors, bien entendu, on ne change que ce dont on a conscience. Et là, c'est ce que vous venez de développer. Vous avez compris, maintenant vous prenez conscience qu'en réalité, il y a eu plusieurs éléments dans votre vie, mais qu'en fait, il y a des causes, il y a des conséquences et que vous allez pouvoir agir à chaque endroit. Plus on prend conscience, plus on avance, plus on peut changer parce qu'on apprend. C'est ce que vous venez de faire dans cette session et c'est ce que nous continuons à faire ensemble. Alors, quel besoin se cache derrière tout ça? La peur, le stress, l'anxiété, l'angoisse. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Parce qu'il y a des besoins. Un, il y a un besoin de sécurité. Ça, c'est la première chose. Deux, il y a un besoin d'agrandir sa zone de confort. Comment vous pouvez faire tout ça? Besoin de sécurité, agrandir sa zone de confort. Eh bien, c'est ce que vous allez me dire maintenant, Christelle. Comment on fait? Alors, pour certains, vous allez me dire, OK, comment on fait? Puis d'autres, vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà essayé. Oui, mais de toute manière, j'arriverai pas. Oui, mais c'est tellement depuis longtemps. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Si aujourd'hui, vous êtes déjà dans le comment on fait, super, bravo, parce que ça veut dire que vous avez déjà l'envie d'avancer, vous êtes prêt. Vous avez compris, vous avez pris conscience, il vous reste plus qu'à agir, passer à l'action. Il suffit qu'on vous donne, j'ai envie de dire, le bon GPS et vous allez pouvoir y arriver. Si vous êtes dans le oui, mais, vous aussi, vous allez pouvoir y arriver. La seule chose, c'est que vous avez ce qu'on appelle des peurs complémentaires qui sont liées à votre manque de confiance en vous, au fait que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à. Et donc, le oui, mais, c'est une forme de résistance. On va la nommer et il faut juste vous dire que du coup, eh bien, pour pouvoir avancer, vous avez besoin d'être sécurisé encore plus en vous disant que vous avez les moyens de pouvoir avancer. Et oui, vous les avez. Peu importe, en fait, vos résistances, à partir du moment où on vous dit comment faire, vous allez pouvoir avancer. Et prenez le temps de nommer vos résistances. Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce qu'en fait, ce qui vous met dans le oui-mais, vous savez ce que c'est? C'est les comportements orientés problème. C'est-à-dire, oui, mais de toute manière, j'ai déjà essayé. Oui, mais ça ne marchera pas pour moi. Oui, mais... En fait, ces schémas de résistance, ces comportements orientés problème sont dysfonctionnels, mais ce n'est pas de votre faute. Mais le fait d'en prendre conscience, OK, on oui, mais je sais que c'est une résistance. Et maintenant, vous savez qu'en fait, pour répondre à ce oui, mais, il suffit tout simplement de vous orienter solution, c'est-à-dire d'agir sur le comment on fait, tout simplement. Dites-vous une chose, c'est que l'anxiété, la peur, n'ont jamais arrêté un seul danger. Jamais. Par contre, et ça c'est vrai, elle peut créer un maximum d'effets secondaires. Et c'est quand même assez marrant de voir, enfin marrant n'est pas le terme, hein, mais de se rendre compte qu'en réalité, tous les effets secondaires ne sont pas liés à une chose réelle, mais tout simplement
à une configuration d'effet barbapapa dans lequel on s'installe ou on nous installe. Et c'est très important d'en prendre conscience maintenant. Alors, il est temps maintenant d'agir et c'est ce que je vais faire avec vous. Et je vais, tout à l'heure, je vous ai parlé de votre cerveau, je vous ai dit que vous allez pouvoir, en fait, vous remettre en santé, dire stop à la peur, à l'anxiété, aux angoisses, et que vous avez tout, en fait, en magasin. Vous avez, et nous avons tous ce qu'on appelle un système d'auto-guérison, c'est notre cerveau. Notre cerveau a plein de capacités en lui. Donc, comme vous avez un cerveau, vous avez aussi ses capacités. La seule chose, c'est qu'il faut juste qu'on vous dise où c'est et comment vous pouvez appuyer sur le bouton on pour le mettre en route. Et notamment, on va parler de l'élagage synaptique, de la réactualisation cognitive et des thérapies qui sont efficaces pour guérir, pour activer cet élagage synaptique et la réactualisation cognitive. C'est des mots un peu, un peu spéciaux, un peu scientifiques, mais vous allez voir, très simple, vous allez comprendre comment vous allez pouvoir agir tout simplement. Moi, j'adore cette idée d'élagage synaptique qui est la capacité de notre cerveau de se mettre à jour tout au long de notre vie. Vous savez, en fonction des saisons, si vous avez un jardin, ou si vous avez eu le temps d'observer des jardins, eh bien régulièrement on fait ce qu'on appelle la taille des arbres, des rosiers, tout simplement pour que chaque année en fait de nouvelles fleurs puissent se réactiver et on coupe aussi les arbres pour qu'ils puissent se renforcer. Eh bien de la même façon, notre cerveau, il a besoin de temps en temps de ce qu'on appelle une petite taille. On lui fait un élagage. L'élagage, c'est quoi ? C'est de donner les moyens à notre cerveau de conserver des informations essentielles et de couper tout ce qui n'est plus utile pour se renforcer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, donc cet élagage synaptique, si on n'oriente pas la taille, et la taille de cet élagage, et ben en fait, ça peut aller dans tous les sens. C'est tout l'intérêt d'un travail thérapeutique qui est, comme le ferait un jardinier, de couper les tiges qui prennent beaucoup trop d'énergie et qui empêcheraient les fleurs de pouvoir s'épanouir dans la saison qui vient. Donc, cet élagage synaptique, en fait, il va vous permettre, en effet, de changer les choses au bon endroit. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous changez quelque chose, tout change, mais que, par contre, si vous ne changez rien, rien ne changera. Donc, si on ne fait aucune taille de rien, eh ben, l'année d'après, on ne sait pas s'il y aura des fleurs. On se dira, ah ben mince, j'aurais dû tailler parce que cette fleur-là, elle aurait pu prendre plus d'aisance. Cet arbre, il aurait pu se renforcer. Mais en effet, si on ne change rien, rien ne changera. Et chaque année, eh bien, on constatera juste que notre arbre ou notre rosier ou nos fleurs, tout simplement, n'ont rien donné. C'est comme les arbres fruitiers, ça s'entretient. Alors, je vous donne la clé numéro 1. Clé numéro 1, vous êtes prêts à noter, prenez le temps de mettre des notes. Ne cherchez pas à éviter, mais traversez. Mettez, d'ailleurs, n'hésitez pas à interagir en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Si ces clés vous parlent, cliquez sur like, c'est le moyen pour moi de savoir que ça vous parle. Donc, clé numéro 1, ne cherchez pas à éviter, comme je dis, mais traverser. Traverser, c'est-à-dire que, en fait, il y a de la peur qui est là et un peu comme une porte d'entrée, le stress, l'anxiété, l'angoisse. Eh bien, il va falloir trouver un chemin pour trouver, donc la peur d'entrée, la peur, mais de trouver la porte de sortie où vous allez pouvoir justement être acteur pour apprendre, vous ouvrir, expérimenter et changer. Et c'est tout un chemin, tout simplement, où vous allez passer d'un comportement passif ou réactif à un comportement actif, où vous allez passer de conséquences de mal-être dans votre vie, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, à une conscience pour pouvoir mettre en place le bien-être pour être bien dans votre corps et bien dans votre tête. Et en fait, pour traverser, il y a en fait un GPS pour ça, pour passer de la peur à être acteur de sa vie et passer du stress, de l'anxiété, de l'angoisse à apprendre, ouvrir, expérimenter pour être bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans sa vie. Et ce GPS, eh bien, je vais vous le donner pour que vous puissiez justement avancer dans votre vie. Clé numéro 2, passer de spectateur à acteur. Qu'est-ce que je veux dire par là, passer de spectateur à acteur? C'est qu'en fait, vous avez trois niveaux d'action pour passer de spectateur à acteur. Alors, je vous ai dit que je vais vous donner le GPS. Il faut traiter le présent.
Aujourd'hui, ok, dans le présent, il y a des choses, il y a plein d'effets secondaires, il faut les traiter un par un. Je sens que je suis en dépression, il faut le traiter. J'ai des troubles du comportement alimentaire, je dois le traiter. J'ai des insomnies, il faut le traiter. J'ai des pensées, obsessionnelles, il faut le traiter. Ensuite, il faut comprendre comment vous en êtes arrivé là. Quels sont les éléments du passé qui vous amènent à avoir ce comportement et que ce présent ne soit pas adapté à la personne que vous voudriez être et l'expression de votre nature profonde. Troisième action, c'est apprendre à être acteur de sa vie en toute sérénité. Ça s'apprend et c'est renouer avec votre nature profonde. Et ça va s'apprendre à partir du moment où vous traitez le présent et que vous comprenez comment vous en êtes arrivé là et comment vous vous défaites de ces schémas de répétition du passé qui vous envahissent. Clé numéro 3, stop à la peur imaginaire. Là, je pense que ça va vous parler. Quand je parle de cette peur imaginaire, je vous en ai parlé quasiment tout au début de cette session. Vous savez, la peur, elle engage du stress, d'accord ? Et soit, en fait, on est en phase de peur réelle, et donc, en effet, on a un stress réel qui permet de chercher des... Ça veut dire que s'il y a un stress réel, qu'il y a une peur réelle, ça veut dire qu'il y a un problème et que vous allez trouver une action pour trouver une solution. Des solutions qui vont vous mettre avec des pensées positives, un cercle vertueux qui vous met dans la sérénité. Soit vous avez une peur avec un stress, mais une peur imaginée. Ça veut dire que ce n'est pas réel. Vous ne pourrez pas aller vers identifier un problème et trouver une solution puisque comme c'est une peur imaginée, il n'y a pas de problème. La seule chose que ça va créer chez vous, c'est des pensées anxiogènes avec un cercle vicieux qui entretient un parcours d'anxiété. Donc, pour activer le mode pensée positive, premièrement, prenez conscience que vous ne pouvez pas agir sur une peur imaginaire, qu'il n'y a qu'une peur réelle qui peut donner des solutions. Si vous êtes sur une peur imagée, dites-vous que vous êtes dans un thriller, un film d'horreur que vous êtes en train de construire, mais sur lequel il n'y a rien de concret. Alors, soit vous devenez scénariste de film d'horreur, par exemple, auquel cas, ça va être, au moins ça va servir à quelque chose, mais sinon, en fait, à part vous mettre dans du stress, dans l'anxiété, avec tous les effets secondaires qu'on a vus derrière, la peur imaginaire ne sert à rien. Et donc, il va falloir apprendre à traiter, à agir en profondeur pour disqualifier cette peur imaginaire qui détériore votre état de santé mentale, qui détériore votre état de santé émotionnelle et qui vous empêche de pouvoir vous révéler dans votre vie. Et c'est vraiment un enfer, parce que sinon c'est un enfer. Mais, donc, vous allez pouvoir agir là-dessus. Clé numéro 4, renforcer votre colonne vertébrale de confiance. Vous savez que j'en parle très régulièrement. C'est la base de la base de la base de la base de la base. Ce n'est pas magique, ça s'apprend. Ça tient sur les éléments que je vous montre ici. La colonne vertébrale de confiance, c'est d'abord l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pouvoir s'accueillir de façon inconditionnelle, soi, dans tous vos états d'être, avec vos qualités et vos défauts. D'accord ? C'est aussi travailler l'estime de soi. C'est l'opinion, la valeur que vous avez de vous-même. Tout à l'heure, je vous ai parlé notamment de l'autodévalorisation, l'auto-jugement. Lorsqu'on attaque, on est constamment dans des pensées auto-dévalorisantes ou dans le dénigrement de soi, eh bien, on attaque inconsciemment l'opinion que l'on a de soi-même en lien avec nos valeurs, notre identité, qui influencent notre estime de nous et donc qui vont endommager votre colonne vertébrale de confiance. Troisième élément, la confiance en soi. La confiance en soi, ce sont la conscience de vos vraies qualités, vos compétences, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et si vous vous rendez compte que vous avez conscience de vos compétences, par exemple, professionnelles mais pas personnelles, ou vice-versa, c'est intéressant de vous dire, en fait, comment, au fur et à mesure, je vais travailler cette conscience de. Par exemple, je me sens hyper carré, j'ai hyper confiance en moi au niveau professionnel, par contre, au niveau affectif, c'est la cata. Eh bien, c'est des éléments où il est nécessaire de retravailler le renforcement de votre colonne vertébrale de confiance. Le quatrième élément, c'est l'affirmation de soi. C'est la conscience de vos qualités relationnelles, c'est la conscience aussi de l'affirmation de vous-même dans votre relation et dans votre rapport à l'autre. Donc, ça part sur notamment, par exemple, le regard de l'autre, le regard sur soi, ce genre de choses. Et enfin, c'est ce qui vous permettra d'être mieux avec vous, de faire la paix avec vous-même et d'avoir vraiment une colonne vertébrale pleinement alignée dans votre vie. Clé numéro 5, agrandir sa zone de confort. Qu'est-ce que je veux dire par agrandir sa zone de confort? Là, ça tient en un mot, apprendre. Apprendre, c'est ce qui permet de comprendre. Apprendre, c'est ce qui permet de décider. Apprendre, c'est ce qui permet d'agir.
Apprendre, c'est ce qui permet de changer. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'un enfant, quand il est tout petit, eh bien, il grandit si vite. On dit toujours, oh, dis donc, vous avez vu, maintenant, les nouvelles générations, ils sont tellement plus éveillés qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne les moyens d'apprendre tous les jours au quotidien. Parce qu'on parle avec eux, parce qu'on leur donne les outils pour le faire. Et donc, ils comprennent, ils décident, ils agissent, ils changent. Et pourquoi ça s'arrêterait qu'enfant ? En réalité, on a toutes ces capacités tout au long de notre vie. Il faut juste les stimuler et redonner la stimulation, la motivation pour le faire. J'aimerais bien que vous m'expliquiez, vous me disiez en commentaire, quand est-ce que vous avez arrêté de croire en vous pour apprendre, pour comprendre, pour décider, pour agir, pour changer. Ou alors, quand est-ce que vous avez remis ça en route ? J'ai remarqué une chose, souvent, un enfant, il adore apprendre jusqu'à 6-7 ans. Et puis, quand il arrive au CP, eh bien, il n'a plus envie d'apprendre. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage n'est plus un jeu. L'apprentissage devient une contrainte, l'apprentissage devient un jugement, l'apprentissage devient une vraie galère dans sa vie. Et malheureusement, notre système éducatif est mal fait, et particulièrement en France, parce qu'il n'est fait pour contraindre plutôt que de valoriser la joie d'apprendre. Donc, retrouver la joie d'apprendre, c'est ce qui va vous permettre de vous remettre en santé aussi. Et apprendre, c'est pas chiant en réalité. Vous êtes en train de le faire en ce moment, et regardez comment vous vous sentez mieux déjà dans cette session. Vous venez de comprendre, vous allez avoir les moyens de décider, d'agir et de changer, de reprendre la main sur votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, quel écho ça fait dans votre vie. À quel endroit vous auriez envie de mettre la première pierre à l'édifice aujourd'hui. Je vous donne maintenant la clé numéro 6, la sixième et dernière clé, c'est celle de se faire aider. Pour apprendre, on a besoin de transmission, on a besoin d'aller chercher l'information, on a besoin de... Il y a des choses qu'on peut apprendre par soi-même, puis il y a des choses sur lesquelles on a besoin de personnes ressources pour pouvoir avancer au bon endroit, avancer plus vite et mettre notre énergie au bon endroit. Lorsqu'on est sujet à la peur, au stress, l'anxiété, à l'angoisse, avec toutes les conséquences que parfois ça a dans notre vie, on n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps d'aller dans les mauvaises directions, on n'a plus le temps d'aller dans les voies sans issue. On a surtout envie d'avoir un GPS bien réglé pour pouvoir aller directement à l'essentiel. Et pour cela, la clé, c'est de se faire aider. C'est de se faire aider avec des experts, des personnes compétentes qui savent comment vous aider à vous défaire de cette situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu englué jusqu'à présent. Vous voyez, par exemple, si j'ai besoin... et se faire aider, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est pas parce qu'on est faible, rien de tout ça. Je veux dire, si par exemple, moi j'ai besoin, par exemple, d'un expert comptable pour faire mon bilan, oui, j'ai besoin de me faire aider parce que c'est pas ma compétence. Si j'ai besoin d'une société pour faire les feuilles de paye de mes collaborateurs, c'est parce que ce n'est pas mon expertise. Pour autant, je ne me remets pas, ça ne veut pas dire que je suis pas à la hauteur haute. Ça veut dire que je sais me faire aider par des personnes ressources qui sont là et qui vont vous permettre d'avancer. Je me rappelle quelques années en arrière, un mentor qui me disait « Christelle, quelle est la différence entre les petits et les grands de ce monde ?» Il n'y avait aucun jugement de valeur quand il parlait des petits et des grands de ce monde. Il me disait juste qu'en fait, les grands de ce monde ont compris très vite qu'en fait, ils ne savaient pas tout, ils n'avaient pas toutes les compétences. Mais par contre, ils ont compris très vite qu'en fait, il fallait s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir avoir de grandes ambitions et avancer dans la vie. C'est ça que je veux dire dans les grands de ce monde. Et les petits de ce monde qui restent petits, c'est qu'en fait, ils veulent tout faire tout seuls, ils ne veulent pas demander d'aide, ils ne veulent pas d'éléments de ressources extérieures. Et donc, du coup, obligatoirement, la façon de grandir et d'avancer vers ses objectifs reste restreint. C'est comme, vous savez, on cultivait, quand on fait par exemple, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, les maisons, je crois que c'est les maisons castor, où en fait, quand on construit des maisons, je crois que c'est aux États-Unis que ça se fait comme ça. Vous pourrez me dire en commentaire pour ceux qui savent, où en fait, pour construire des maisons, en fait, chacun aide l'autre pour construire sa maison. Et donc, du coup, eh ben, en fait, ça permet d'avoir sa propre maison beaucoup plus rapidement et ensuite
donner de l'aide à l'autre pour que lui-même construise sa maison. Et en fait, eh ben, on se sent bien chez soi, on a le sentiment en plus d'avoir partagé, et alors que tout seul, on mettrait 10 ans pour essayer de faire sa maison, alors que là, peut-être parfois, en 3-4 mois, on a une maison qui est faite parce qu'on est dans un cadre où, en fait, chacun aide l'autre. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi lorsque vous entreprenez, par exemple, une thérapie et vous faites aider. C'est tout simplement pour aller plus vite à l'essentiel, pour pouvoir être bien dans votre vie. Et vous-même, vous allez pouvoir aider parce que quand vous êtes mieux dans votre tête, mieux dans votre peau, vous n'avez plus la peur, l'anxiété, l'angoisse, eh ben, avec vos relations, c'est différent, avec votre famille, c'est différent. Et donc, du coup, vous donnez là aussi une magnifique énergie, une belle énergie humaniste et solidaire dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire quelles sont les clés que vous avez déjà actionnées dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà réussi à actionner le fait de ne plus chercher à éviter, mais à traverser vos peurs pour pouvoir justement passer à l'action? Est-ce que vous êtes passé de spectateur à acteur? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à stopper vos peurs imaginaires ou est-ce qu'elles sont encore assez intrusives et invasives chez vous? Est-ce que vous avez réussi à renforcer votre confiance en vous, votre colonne vertébrale de confiance? Où vous en êtes dans cette colonne vertébrale de confiance? Aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à grandir votre zone de confort? Est-ce que vous avez réussi et vous vous êtes autorisé à éviter tous ces pièges en vous faisant aider? Dites-moi où vous en êtes en commentaire, partagez avec la communauté pour que chacun puisse avoir écho de votre propre expérience. Quelle est la clé qui a été la plus efficace que vous avez pu actionner aujourd'hui? Ou alors, en retour un peu en feedback de cette session, où est-ce que vous avez envie, où est-ce que vous auriez envie aujourd'hui de mettre la première clé dans la serrure pour pouvoir avancer? Dites-le-moi. Aujourd'hui, vous avez 3 possibilités en réalité d'agir, mais il y en a vraiment qu'une qui est efficace. La possibilité d'agir et de mettre la bonne clé au bon endroit, comme je vous l'ai dit, c'est agir sur mesure avec une thérapie efficace. C'est ce qui va vous permettre de vous sortir du stress, de la peur, de l'anxiété et de l'angoisse. Il n'y a pas d'autre moyen, ce n'est pas magique. Si vous ne faites rien, rien ne changera. Par contre, il suffit de changer, comme je vous ai dit, rappelez-vous l'effet barbapapa, des petites choses au bon endroit pour que tout simplement, le soufflet s'arrête, hein, un peu comme l'effet d'un soufflet au chocolat et on enlève la température, d'un seul coup, tout s'arrête. Et bien, de la même façon, avec un bon travail thérapeutique, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. La possibilité de vous apaiser avec des médicaments, en fait, ça vous donne l'illusion d'aller mieux, mais vous vous mettez dans une dépendance médicamenteuse et ça ne traite pas le problème à la racine avec bien d'autres conséquences possibles dans votre vie. Et la possibilité de guérir du stress, de l'anxiété, mais aussi la dépendance affective qui vont avec, sans thérapie, eh bien, ce n'est pas possible, malheureusement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, vous êtes dans un cercle vicieux. Alors, aujourd'hui, quelles sont les thérapies efficaces pour vous sortir de cette situation? Je vous ai dit que je vous en parlerai. Les thérapies efficaces, je vais vous parler concrètement de ce nouveau concept de thérapie qui est extrêmement puissant aujourd'hui, qui est celui de la TPERN, la thérapie par exposition à la réalité narrative. C'est extrêmement recommandé pour sortir du stress, de l'anxiété, ça a des résultats extrêmement puissants. C'est très novateur et ça participe à vraiment pouvoir vous soigner directement à la racine, parce que on va réparer grâce à la TPERN votre cerveau. On va agir à 3 endroits qui est notamment les 3 endroits qui ont été abîmés. Le cortex préfrontal a été abîmé par le stress et l'anxiété et vous avez un trouble de la motivation et un désinvestissement social, l'isolement, la difficulté d'être en lien avec l'autre. Ça, c'est le cortex préfrontal à cause du stress, de l'anxiété, la peur qui a été endommagée. Vous avez l'hippocampe et l'amygdale qui ont aussi été endommagés avec de l'hyperactivité, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi une hypersensibilité. Donc, ça engendre bien entendu plein d'autres choses, hein, une difficulté de mémorisation, un déficit du contrôle de l'humeur et cette anxiété, cette hypersensibilité constante. Et enfin, il y a l'ensemble de vos neurotransmetteurs qui ont été eux aussi mis à mal avec un dysfonctionnement, notamment de la sérotonine et de la noradrénaline, qui ont comme conséquence une perte d'énergie dans votre vie, une absence de plaisir, une perte de motivation, des idées noires, des compulsions, des troubles de l'appétit. Et donc, par la TPERN et dans le cadre de la thérapie digitale, vous allez avoir la possibilité de faire une rééducation fonctionnelle cérébrale par l'activation
de la TPRN, qui est un moyen simple et sans effort d'aller mieux, qui va vous permettre d'agir à la racine. Vous allez pouvoir stopper les solutions parades dont j'ai parlé notamment tout à l'heure, qui sont celles où en fait vous allez jusqu'à présent vous avez mis en place des systèmes d'évitement dans votre vie, votre vie elle est complètement déséquilibrée avec toutes les solutions conséquences dont on a vu tout à l'heure. Donc un, vous allez pouvoir stopper les solutions parades. Deux, vous allez pouvoir traiter et guérir le problème de fond. Comment ? Par une réactualisation cognitive que j'appelle 5G. La première chose est dans la thérapie TPERN. Première chose, bien entendu, il faut comprendre, il y a l'état des lieux et comment vous en êtes arrivé là. Vous avez déjà commencé aujourd'hui dans cette session. Deux, prendre conscience, accepter les choses, accueillir et lâcher prise. Lâcher prise et accepter, ça ne veut pas dire j'accepte tout. Non, c'est tout le contraire. C'est accepter, c'est pas de votre chose, accepter qu'en fait, il y a eu des éléments sur lesquels vous pouvez reprendre la main. Et donc, du coup, à partir du moment où vous pouvez reprendre la main, vous allez pouvoir lâcher prise sur l'ultra-contrôle, l'hyper-vigilance pour pouvoir aller chercher d'autres ressources en vous. Vous allez donc pouvoir mettre à jour votre cerveau, votre pensée, vos comportements. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la triade, hein, pensée, comportement, émotion, et tout ceci va pouvoir être mis à jour. Vous allez pouvoir expérimenter de nouvelles choses, mettre en action au fur et à mesure avec la bonne énergie pour passer à l'acte, parce que quand on est stressé, quand on est dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, on est épuisé constamment. Donc, il est très important que l'énergie, quel que soit votre niveau d'énergie, même si vous êtes au premier niveau d'énergie, toute votre énergie soit concentrée à un endroit qui va être efficace tout de suite. Donc, la mise en action et l'acte et les actes que vous allez poser, les expérimentations, les exercices doivent être immédiatement faits pour que ça puisse immédiatement vous permettre de corriger et de vous remettre en santé et d'agir efficacement au bon endroit. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on est dans le peur, le stress, l'anxiété, l'angoisse comme ça depuis si longtemps, d'utiliser notre énergie comme ça pour aller dans tous les sens et que ça ne soit pas efficace. Donc, chaque chose que vous allez pouvoir mettre en œuvre, expérimenter et réfléchir à l'avance, elle vous permet immédiatement de voir des résultats efficaces dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie affective, votre santé physique, votre santé psychique. Et vous allez pouvoir intégrer tout ça à la racine avec un retour d'expérience qui vraiment, comme il se met à la racine, va vous permettre en fait d'éviter tout risque de rechute et de récidive dans votre vie. Ça, c'est la réactualisation 5G, c'est l'effet que vous allez pouvoir avoir par la TPERN pour vous soigner sans effort. Dans la TPERN, vous allez agir sur 3 niveaux d'action. Vous allez vous libérer des symptômes, vous allez agir sur les sources et les causes et vous allez pouvoir traiter les effets secondaires dans votre vie. L'action numéro 1 que vous allez avoir donc avec la TPERN va être d'agir sur le sommeil, l'alimentation et toutes les activités physiques qui vont vous permettre de pouvoir vous libérer du symptôme. Dans certains cas, la relaxation, la sophrologie, la méditation, la libération émotionnelle et remettre en œuvre les relations sociales et les loisirs qui vont vous permettre de vous libérer de ces symptômes. Deuxième chose, il faut agir sur les sources et les causes internes et les causes externes. Les causes internes, c'est ce qui se vit en vous, hein, ce que vous vous dites en vous, donc tout ce qui est de l'ordre des pensées, de l'auto-activation dysfonctionnelle mais interne. Et tout ce qui est externe, c'est ce qui se vit en dehors de vous et qui vient de votre environnement, de votre passé et qui vous influence et vous gêne dans votre vie. L'action numéro 3, ça va être de traiter les effets secondaires. Agir sur la confiance et l'estime de soi. Agir pour retrouver la joie de vivre. Agir pour retrouver un mental au beau fixe. Agir pour retrouver une santé physique. Agir pour développer votre potentiel. Agir sur l'envie, le désir et les projets pour les réactiver. Agir pour retrouver des relations personnelles, familiales, professionnelles qui correspondent à vos désirs et qui ont été abîmées à cause de ces peurs, de ce stress, de ces anxiétés, de ces angoisses, de ces crises, de ces attaques de panique dans votre vie. Et donc, aujourd'hui, j'ai besoin que vous me disiez, là, comme ça, en commentaire, vous preniez des notes, où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà réussi à vous libérer des symptômes? Est-ce que vous avez pu agir sur les sources? Est-ce que vous avez pu traiter les effets secondaires? Où vous en êtes aujourd'hui? C'est la première chose que vous pouvez vous dire. Et bien entendu, c'est les clés essentielles pour que vous puissiez vraiment vous remettre en santé. Et c'est
vous dire qu'aujourd'hui, pourquoi vous subissez, pourquoi vous avez subi jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce qu'en fait, votre cerveau a été abîmé par le stress, par l'anxiété, par la peur. Et un cerveau abîmé, c'est un cerveau impuissant qui ne peut assurer un équilibre psychique et physique. C'est pas de votre faute. Et c'est tout le pouvoir de guérison, en fait, de la TPERN qui va activer, en réalité, le pouvoir naturel de la plasticité neuronale et de l'élagage synaptique directement en allant à l'essentiel. La TPERN est un nouveau système, donc, de thérapie par exposition à la réalité narrative extrêmement puissant, efficace et qui va vous permettre d'obtenir ce que j'appelle une guérison au bout de vos doigts, sans effort et en respectant votre rythme naturel, sans qu'il soit nécessaire de passer par des choses extrêmement complexes. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser le pouvoir d'auto-guérison tout simplement de votre cerveau. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Les effets de la TPERN, pas à pas, vous allez voir, vont vous permettre de retrouver ce sentiment d'être fier de vous, de vous faire plaisir avec les choses que vous aimiez auparavant, qui vont vous permettre, grâce à la TPERN, d'être de bonne humeur tous les jours, de revoir et de retrouver les choses de façon optimiste, de vous lever le matin en étant motivé, sans la boule au ventre. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, bien entendu, vous allez retrouver confiance en l'avenir et vous allez avoir les effets bénéfices d'un passé qui ne vous pèse plus. Vous aurez votre passé, mais il ne vous pèsera plus. L'impression que votre vie fait un nouveau sens. Excite la dépression qui pourrait être là. Excite les troubles anxieux généralisés qui vous empêchent d'avancer et d'être bien dans votre vie. Votre entourage, en plus, va être heureux et fier de vous, de la façon dont vous avez repris les rênes de votre vie. C'est ce que l'on voit au quotidien pour toutes les personnes qui utilisent la thérapie par exposition à la réalité narrative pour se soigner efficacement et, comme je dis, sans effort. C'est vraiment à la portée de tous. Je vais vous expliquer comment tout de suite. J'imagine que maintenant vous avez envie que j'en dise plus par rapport à la méthode TPERN. Concrètement, cette innovation, la thérapie par exposition à la réalité narrative, qui est une exclusivité de la clinique e-santé, de vous expliquer concrètement en quoi ça consiste et comment ça va pouvoir vous permettre de vous soigner sans effort et de façon extrêmement efficace. On pourrait dire que la TPERN, c'est quand c'est votre cerveau qui rend possible la guérison. Et j'ai envie de dire, au bout de vos doigts, vous allez voir qu'en fait, c'est quand même clairement une réalité. Qu'est-ce que c'est que la TPERN et bien fait de la TPERN? Quand je vous ai dit que la guérison, elle se trouve au bout de vos doigts, parce qu'en fait, vous allez rentrer dans une thérapie qui est à la fois efficace, simple, naturelle et sans effort. Aujourd'hui, de la même façon que lorsque, par exemple, on conduit une voiture, eh bien, avant, on conduisait une voiture, on n'avait pas de direction assistée, hein, et on n'avait pas, par exemple, les ABS et autres. Eh bien, de la même façon, avant, quand on entreprenait une thérapie, il n'y avait pas la direction assistée, il n'y avait pas les ABS, on ne savait pas trop, on partait pour 10 ans de psychanalyse, ou on ne savait pas trop un peu pourquoi on y allait, on ne se sentait pas, en fait, équipé pour avancer, ou alors ça nécessitait beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de s'en sortir, et ce n'était pas forcément compatible avec notre vie de tous les jours. Eh bien, aujourd'hui, la TPERN va vous permettre, un peu comme aujourd'hui, vous avez une voiture avec une direction assistée et un airbag, d'avoir une thérapie, comme je dis, efficace, véritablement orientée solution, simple, c'est-à-dire vous allez voir du bout de vos doigts en système d'auto-guérison sans que vous ayez besoin de faire d'efforts et naturel. C'est-à-dire que ça ne va pas nécessiter des efforts ni pour vous ni pour votre cerveau parce que ça s'adapte à vous et ce n'est pas à vous de vous adapter à cette thérapie. Donc, c'est sans forcer, juste en équilibrant. C'est ce que j'appelle
le concept de pouvoir faire par exemple un créneau avec la direction assistée, voire aujourd'hui, vous avez vos voitures qui font le créneau tout seul. Eh bien, c'est un peu pareil, la TPERN. Vous êtes dans l'efficacité naturelle et sans effort. J'insiste vraiment sur sans effort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez avoir la puissance de vos facultés neuronarratives au service, et neuronarratives, c'est-à-dire le fait d'utiliser les capacités de votre cerveau par le fait d'écrire, au service d'un nettoyage émotionnel naturel de votre cerveau. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, il y a plusieurs choses, notamment au niveau de la triade noire. Le comportement, les pensées, les émotions sont dans un système de triade, soit négative, soit positive. Et bien en fait, avec la TPERN, ça va permettre de réaliser un nettoyage émotionnel, à la fois au niveau des pensées, au niveau des émotions, qui permettent une libération de vos émotions, une cicatrisation solide et l'acquisition de nouveaux comportements avec l'activation de tout votre potentiel. Et je vais vous expliquer comment on fait. C'est aussi la TPERN un soutien psychologique renforcé. Aujourd'hui, une alliance thérapeutique de dernière génération qui tient en compte des neurosciences, des avancées technologiques, des avancées en psychologie pour traverser le miroir et à partir de là, pouvoir aller à la rencontre de soi avec le meilleur GPS qui soit, celui qui est réglé pour vous. Et donc, un bon GPS vous permet d'aller tout simplement à bon port, sans effort, où vous pouvez tout simplement vous détendre. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours centré, surtout dans les détails. Vous vous laissez juste guider par l'essentiel. Ensuite, la TPERN, c'est un cadre aussi qui est repensé, celui de la thérapie où votre thérapie, elle devient nomade, agile sans contrainte. Comme aujourd'hui, eh bien, vous pouvez travailler à distance, vous pouvez commander votre repas sur Uber Eats ou utiliser ou commander vos courses en drive. Eh bien, de la même façon, aujourd'hui, nous sommes des êtres nomades à l'origine, on s'est sédentarisé, mais nous restons nomades. Et en réalité, aujourd'hui, notre vie devient de plus en plus nomade et on a besoin là aussi que la thérapie s'adapte à notre rythme de vie, à notre fonctionnement. Si par exemple on est dans une période où on est sous confinement par exemple, eh bien on doit repenser le cadre de la thérapie de façon à ce que la thérapie puisse s'adapter et que je ne sois pas obligée de me déplacer alors que par exemple il y a un couvre-feu ou qu'il y a un confinement ou que ce n'est pas dans des horaires adaptés. Pour moi, un cadre repensé qui devient nomade, c'est aussi se dire que bah, parfois on a des enfants, parfois on a des horaires décalés et qu'une thérapie doit s'adapter à mon rythme de vie. Si je suis en horaire décalé, je suis infirmière, par exemple, ou infirmier, et que je travaille de nuit ou que j'ai des horaires décalés, je dois pouvoir me dire qu'en fait, je vais avoir mon psychologue quand j'en ai besoin. Si je veux pouvoir consulter à 3h du matin, je consulte à 3h du matin. Quand je fais une crise d'angoisse, eh bien, je ne vais pas calibrer quand est-ce que j'ai ma crise d'angoisse. Ah oui, il faut que j'ai ma crise d'angoisse, mais alors, il faut que je la calibre par rapport à ma prochaine séance avec mon thérapeute. Non, ce n'est pas possible. En fait, je dois avoir mon psychologue dans la poche quand j'en ai besoin, pouvoir déposer mon émotion, pouvoir me sentir avancer aussi, être pris en charge et voir en fait aussi mes évolutions. Aujourd'hui, on est habitué, quel que soit ce que l'on fait, à nous voir avancer, évoluer. Si par exemple, j'ai un coach sportif et j'ai une application sur mon téléphone, j'aime voir en effet comment j'ai pu évoluer, mes avancées, à quel endroit je vais mettre plutôt mon attention, mon énergie. Ben, de la même façon, dans une thérapie, on ne peut pas avancer entre guillemets à l'aveugle et il faut repenser un cadre qui définisse aussi votre rythme, qui vous permet de faire des pauses, que vous soyez connecté avec vous et votre psy quand vous voulez, où vous voulez et au rythme que vous souhaitez et surtout en vous voyant avancer avec un protocole qui vous permet de voir vos évolutions. Et donc pour ça, il faut des outils solides qui sont adaptés à tous, qui vous sont adaptés à vous, des outils pour vous soutenir, pour vous apaiser, pour vous libérer, pour activer, soigner, guérir, mais aussi vous développer, vous révéler, vous réinventer. Les outils d'aujourd'hui, c'est des outils qui soignent, mais c'est aussi des outils de préparation mentale, des outils qui permettent tout simplement, en fait, d'articuler tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Et ça doit être toujours agile, souple, pour pouvoir agir à la racine, tout simplement.
Et c'est toute l'évolution des outils d'aujourd'hui. Alors, quel est ce mode d'emploi pour agir efficacement avec la thérapie digitale? Eh bien, je vais vous l'expliquer encore plus en détail maintenant. Comment ça marche? Comment on peut bénéficier des vertus de la TPERN, de la thérapie par exposition à la réalité narrative? Donc, il faut savoir que c'est une exclusivité de la clinique e-santé. C'est le fruit de plus de 10 ans de travaux de recherche clinique sur toutes les modes de thérapie, toutes les avancées scientifiques, toutes les avancées en termes de neurosciences qui ont permis en fait de pouvoir se centrer sur l'essentiel des recherches et en même temps l'essentiel de votre rythme de vie. Et donc on va utiliser la thérapie digitale qui utilise donc la catharsis émotionnelle de la TPERN. Permet quoi? Un, la première chose, la catharsis émotionnelle, c'est très 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 important, c'est un fonctionnement, c'est une fonction, pardon, de soulagement intense de l'émotion. Et je rappelle que quand on est pris dans le stress, dans l'anxiété, dans l'angoisse, la catharsis émotionnelle est très importante. Et celle-ci, elle va être extrêmement développée lorsqu'on utilise la TPERN, c'est un élément clé qui va être suractivé pour vous permettre en fait de pouvoir agir et mettre en œuvre le levier de l'auto-guérison. Donc vous allez pouvoir dans un premier temps mettre en place la fonction de soulagement intense qui est d'exprimer son ressenti quand il est là et reconnaître et valider ses émotions. Un élément extrêmement important. Vous savez, quand par exemple quelqu'un a vécu un traumatisme ou autre, la première chose qu'on a, c'est besoin d'exprimer, de verbaliser les choses. Et plus on attend, plus c'est des choses qui restent en nous et qui, en fait, après, peuvent nous infecter pendant des semaines, voire des années. La différence qu'il y a entre une émotion, par exemple, et un sentiment, c'est qu'en fait, une émotion, elle est extrêmement courte, elle est fugace, hein, elle est là, elle s'exprime en vous. Le sentiment, c'est lorsque vous avez une émotion qui a pris et qui est restée, il n'y a pas eu d'action, qui s'est cumulée et en fait qui va créer un sentiment. Alors, par exemple, si j'ai de la colère, c'est une émotion, et si je n'ai pas pu traiter cette colère, je vais pouvoir avoir de la haine, par exemple, et cette haine va créer en moi du ressentiment et plein d'autres choses derrière. Donc, le fait de soulager l'émotion permet en fait de pouvoir libérer les traumatismes, être dans un processus donc de libération traumatique, mais aussi qui débloque l'aire de Broca. Et l'aire de Broca, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir reverbaliser les choses. Quand l'aire de Broca est bloquée, on ne peut plus dire les choses, on ne peut pas verbaliser. Et donc, par la TPERN, vous allez pouvoir verbaliser sans être obligé de dire, mais vous allez pouvoir le faire autrement. Notamment, vous aurez aussi un renforcement émotionnel, c'est-à-dire une stimulation des neurones miroirs par la pratique thérapeutique de l'écriture. En réalité, vous savez, on a tous fait l'expérience de se dire « là, ça va pas ». Et vous prenez, par exemple, vous venez de vous prendre la tête avec votre patron et là, vous envoyez un texto à votre compagnon ou à votre copine ou à un ami et vous lui expliquez ce qui s'est passé. Le fait même sans l'avoir eu au téléphone, parce que là, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas, vous êtes dans le métro, et vous envoyez un SMS à votre... et vous échangez par SMS avec vos amis, et rien que le fait de pouvoir écrire ce qui s'est passé, déjà, vous permet de vous libérer. Ce n'est pas que vous avez trouvé la solution, mais déjà, vous avez pu déposer l'émotion, et immédiatement, déjà, vous avez un soulagement intense qui vous permet, derrière, d'être un peu plus apaisé et donc de pouvoir élaborer en conscience de façon rationnelle les choses, c'est-à-dire de mettre à distance l'émotion pour pouvoir agir. Alors, dans la thérapie digitale, on utilise la catharsis émotionnelle. Par contre, en face, vous allez avoir une personne, un expert qui est là et qui va vous permettre en fait de pouvoir vous aider à quoi ? À travailler efficacement la plasticité neuronale qui est stimulée par la TPERN, c'est-à-dire un nettoyage des pensées toxiques. Vous allez être accompagné par un psychologue expert en thérapie digitale, expert en TPERN, qui va vous permettre de faire un élagage en conscience, une transformation en conscience, un nettoyage des pensées toxiques. Et du coup, vous allez avoir, grâce à ça, une réduction des pensées intrusives par l'intervention de processus cognitifs qui sont mis en jeu par l'écriture. Et ça, c'est le fruit d'études, notamment que je vous ai mis ici, Gortner, Lepore, Greenberg, qui ont travaillé sur ces études depuis 2003, 2002, 2006, 2008, qui ont mis en exergue
les effets extrêmement efficaces de l'écriture pour nettoyer les pensées toxiques. Deux fois plus efficace que lorsqu'on est dans de la verbalisation. D'où l'importance de l'écriture. Et bien entendu, ça va permettre aussi, la TPRN, une libération des résistances. On va avoir une identification des expériences et des croyances qui provoquent le mal-être et on va pouvoir mettre des mots sur les choses et plutôt que d'appuyer sur la résistance, on va nommer celle-ci et défaire le nœud tout simplement pour que vous puissiez réavancer dans votre vie plutôt que d'insister sur la résistance et d'appuyer dessous alors que ça ne sert à rien. Et bien entendu, vous allez aussi, par la plasticité neuronale, renforcer de nouveaux apprentissages par l'expérimentation et des renforcements positifs. Qu'est-ce que je veux dire par des renforcements de nouveaux apprentissages ? Dans la plasticité neuronale, en fait, on va d'un côté, stimuler dans votre cerveau des expériences, de nouvelles expériences positives, libérer toutes les résistances qui étaient là, qui empêchaient d'avancer, et nettoyer les pensées toxiques qui faisaient une barrière. Et en fait, la plasticité neuronale, stimulée donc par la thérapie par exposition à la réalité narrative, va nettoyer les pensées toxiques, libérer les résistances, c'est-à-dire les freins qui étaient sur votre route, et ensuite renforcer de nouveaux apprentissages qui vous permettent de vous sentir beaucoup plus agile pour pouvoir avancer avec en vous sentant équipé et en expérimentant un renforcement au bon endroit et que celui-ci soit positif pour vous. Alors, bien entendu, la thérapie TPRN s'appuie sur des expériences et des résultats scientifiquement prouvés. Une clinique éprouvée, plus de 10 ans de travaux cliniques et des résultats scientifiques qui permettent en fait de confirmer l'efficacité des consultations qui associent l'écriture et le digital. Notamment dans la revue européenne de psychologie appliquée, Science Directe confirme en fait l'impact bénéfique des effets de l'écriture expressive sur la santé physique et psychologique et les processus de régulation émotionnelle. C'est-à-dire que des événements stressants vont permettre par l'écriture expressive de libérer, de cibler, de guider, de programmer. Ensuite, de créer trois grands médiateurs, les modifications émotionnelles, les modifications cognitives et les modifications comportementales. Ces trois médiateurs associés vont avoir des conséquences positives sur la santé mentale, la réduction de la dépression, la réduction de l'anxiété et des conséquences sur la santé physique avec une reprise des défenses immunitaires et en fait des éléments cliniques qui permettent de se remettre en santé physique. L'écriture expressive, c'est un processus de régulation qui va se concentrer sur l'attention, l'habituation, la restructuration cognitive qui est la base en fait pour remettre en face votre cerveau avec vraiment une conséquence de régulation de tout votre système émotionnel qui, je rappelle, est à la base de toute votre expérience subjective et qui va agir aussi sur votre expérience et vos réactions neurophysiologiques et biochimiques. Donc, qui va vous permettre de vous remettre dans une santé physique et mentale structurée, adaptée et prouvée scientifiquement. Donc, ça, c'est l'objectif de la TPERN. D'autres travaux et d'autres résultats scientifiques ont prouvé l'efficacité des consultations par écrit et par Internet, donc qui sont le fruit de la TPRN, la thérapie par exposition à la réalité narrative, notamment la validation de l'efficacité des interventions psychothérapeutiques sur Internet, le soutien de l'amélioration des résultats sur les changements de comportement des individus qui est renforcé par la durée des exercices accrus, c'est-à-dire quand celle-ci se fait quotidiennement avec une participation accrue aux soins de santé et une meilleure perception de soi, à la fois au niveau du corps et du mental. Le soutien de l'efficacité des thérapies cognitivo-comportementales sur un support digital pour réduire les troubles anxieux. Et enfin, la thérapie à distance et sur Internet, et sur la thérapie digitale, pour la dépression, pour les troubles anxieux, est tout aussi bénéfique qu'une thérapie en face-à-face régulière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'elle est plus efficace en digital qu'en face-à-face lorsque celle-ci permet d'être suivie justement à distance. En post-traitement, elle est beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'il y a un soutien
quotidien et sur la durée que l'on n'a pas de la même façon en face à face. Alors, justement, la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé, qui est une exclusivité de la clinique e-santé, c'est une méthode qui associe donc justement la pratique au quotidien de la TPEN, comme je vous dis, qui est plus de, le fruit de l'expérience de plus de 10 ans de travaux cliniques, et qui associe les clés du digital, c'est-à-dire d'avoir un cabinet nomade où vous pouvez emporter, comme je dis, votre psychologue dans votre poche. Et ça, c'est important à prendre en compte. De se rendre compte qu'en fait, la thérapie digitale, c'est l'association à la fois de toute une expérience, une nouveauté, une méthode puissante et naturelle au quotidien, la TPEN, thérapie par exposition à la réalité narrative. On utilise la force de votre cerveau, de cette auto-guérison, par le fait de l'écriture, qui est associée, bien entendu, avec toutes les thérapies intégratives aujourd'hui, et ceci associé à un élément tout simple, celui de mettre votre psychologue dans votre poche. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur les bienfaits de la thérapie digitale, si la réponse est oui, dites-le moi en commentaire, allez-y, likez pour que je vous explique comment se passe cette séance thérapeutique au sein de la clinique e-santé. Alors, comment la thérapie digitale vous apporte un succès rapide? C'est ce que je vais vous dire maintenant et concrètement. Vous allez pouvoir, en fait, grâce à la thérapie digitale, avoir des actions qui sont ciblées et qui suppriment un à un les ingrédients de l'anxiété, du stress et de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir agir sur le siège des émotions, le cortex préfrontal. Ensuite, on va pouvoir agir sur l'hippocampe, sur la mémoire et le contrôle de l'humeur. Donc tout ça, ça va agir au niveau du cerveau. Et ensuite, on va agir sur l'amygdale avec la régulation de l'anxiété et de l'hypersensibilité. Et on va pouvoir aussi travailler sur tout le carnet des causes dont on a parlé tout à l'heure, votre contexte et les antécédents. Votre accompagnement en thérapie digitale au sein de la clinique e-santé, on est vraiment dans une excellence thérapeutique de nouvelle génération qui permet en fait d'être 3 fois plus rapide qu'une séance en cabinet normale et 2 fois plus économique parce que, ben, en effet, c'est plus, on va être dans quelque chose de plus concentré et plus adapté. La thérapie digitale va vous permettre d'agir sur 3 niveaux, le mental, le physique et l'émotionnel. Vous allez donc du coup avoir avec vous, vous allez pouvoir aller à l'essentiel parce qu'en fait, vous allez avoir une sorte de GPS, pas une sorte d'ailleurs, vous allez avoir un GPS d'expert qui est là pour vous, avec un psy dédié, un vrai psy, un vrai humain hein, qui est là et qui va vous permettre, qui est expert en anxiété, en dépression et qui va vous permettre de pouvoir agir et qui va être présent au quotidien. Et vous allez avoir un programme sur mesure à réaliser sans effort, un programme qui est fait pour vous, adapté pour vous, sur mesure, et des actions concrètes au quotidien, et tout ceci directement dans votre poche. Alors, ça vous permet quoi? Grâce à la thérapie digitale et la TPERN, en fait, vous savez où vous en êtes. Je sais où j'en suis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès les premières heures, quand vous êtes en thérapie digitale au sein de la clinique e-santé, vous avez accès à une analyse complète de tout votre contexte et de votre état de santé. Ce qui veut dire que dès le démarrage, vous êtes pris en main et vous allez avoir un check-up garanti qui vous permet de savoir, ok, où j'en suis aujourd'hui et quelles sont les priorités pour pouvoir agir en fonction de votre demande thérapeutique. 2, vous allez savoir où vous allez. Je sais où je suis et je sais où je vais. Ça veut dire que vous allez pouvoir formuler votre demande thérapeutique, vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous. C'est vous qui décidez et votre psy, eh bien, votre psychologue clinicien vous prépare un protocole qui est adapté pour vous. Et donc, du coup, ce qui fait que vous savez où vous allez. Et ça ne s'arrête pas là. Vous allez bénéficier d'un bilan de progression mensuel qui vous permet de savoir à chaque fois où vous avez votre état présent, vous avez votre état désiré, et à chaque fois, vous voyez vos avancées par rapport à l'état désiré, les progressions. La progression au niveau émotionnel, la progression au niveau physique, la progression au niveau psychologique. Et à chaque fois, donc vous vous voyez avancer et vous pouvez réguler vos priorités en fonction de votre contexte de vie. La thérapie digitale, c'est fait pour vous. Pourquoi? Parce que c'est à votre guise. Vous allez pouvoir écrire, envoyer des audios, des vidéos, même comme je dis toujours, même dessiner, j'ai des patients qui le font. Ce qui compte, c'est votre chemin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur mesure pour vous. Vous allez pouvoir
envoyer et consulter comme vous le voulez avec le média que vous préférez. Vous voulez écrire, vous voulez envoyer en audio, vous voulez faire une vidéo, vous préférez faire un schéma, eh bien, vous pouvez le faire. Ce qui compte, en réalité, c'est votre chemin. Donc, c'est vraiment fait pour vous, ça s'adapte pour vous, tout simplement. Et puis, c'est très concret parce que dans la thérapie digitale, avec l'application de la TPMRN, vous avez votre psy qui est là, qui va vous guider grâce à des outils qui sont solides et qui sont extrêmement contemporains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont tous issus de la psychothérapie intégrative qui va vous permettre, en fait, qu'est-ce que c'est que la psychothérapie intégrative? Ça vous permet que ce soit pas à vous de vous adapter à votre thérapeute, mais à votre thérapeute de s'adapter à vous. Les outils de la psychothérapie intégrative intègrent donc l'ensemble des outils extrêmement solides, contemporains, qui peuvent être donc l'analyse transactionnelle, l'analyse jungienne, la gestalt, la sophrologie, l'analyse des rêves, l'art-thérapie, la méditation, les thérapies cognitivo-comportementales, les avancées de l'hypnose, les avancées de l'EMDR adaptées à un terrain qui est celui de la thérapie digitale. Donc, ça vous permet vraiment de pouvoir être dans le concret et d'avancer et de valider avec votre psychologue chaque étape de votre progression. On n'est pas dans le blabla, c'est vraiment très concret. Et puis, surtout, c'est très humain. Quoi de plus humain que vraiment avoir son psy qui est là, disponible quand on a besoin, chaque jour, au quotidien, et avec qui on peut créer une alliance thérapeutique vraiment renforcée. Vous vous exprimez en temps réel et sans attendre. Quand on a une crise d'angoisse, quand on est pris par une situation de vie extrêmement difficile, eh bien, quand parfois il faut attendre une semaine ou 15 jours avant d'avoir une consultation en cabinet, c'est pas possible. On a besoin d'exprimer immédiatement ce que l'on vit, ce que l'on ressent, et on a besoin de réponses, de guidance, quand c'est nécessaire dans votre vie, et c'est ce qui permet que ce soit plus humain, plus efficace et plus soutenant. La thérapie digitale, elle est agile. En quoi elle est agile? Parce que vous allez concrètement pouvoir consulter votre psychologue quand vous voulez. Vous décidez que, vous voyez par exemple comme sur la photo ici, que vous avez envie de consulter une fois que les enfants sont couchés et qu'il est 23h, vous pouvez consulter à 23h. Vous avez envie de le faire le dimanche devant, dans votre canapé, devant la cheminée, vous pouvez le faire. Et vous avez votre psy qui vous répond au quotidien, sous 24 heures, du lundi au vendredi. C'est sans déplacement, c'est sans rendez-vous, c'est sans limite de temps ou de durée. Ce qui fait qu'il n'y a pas de stress de vous dire il faut que je prenne rendez-vous, à quelle heure il faut une heure de temps de trajet, une heure de consultation, une heure pour revenir, et puis il y a les embouteillages, et puis après il faut que j'aille faire les courses. En réalité, là, vous êtes à votre pause déjeuner au travail, et bien vous pouvez réaliser pendant 5 minutes par jour, si vous voulez y mettre 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes, c'est vous qui décidez le temps que vous souhaitez à votre consultation, répondre à votre psychologue, réaliser un exercice d'introspection, aller directement sur l'application pour réaliser un exercice anti-stress parce que justement là, vous êtes, vous venez d'avoir un moment difficile. Eh bien, en fait, tout est fait pour que ce soit agile et adapté à votre situation du moment. C'est aussi, c'est nomade, vraiment c'est nomade parce que comme je dis, vous vous confiez depuis votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, à tout moment, comme ici par exemple dans le train, vous pouvez le faire dans le métro, au bureau, dans un parc, vous pouvez le faire en marchant si vous le souhaitez, en allant vous promener en forêt. Vous pouvez en fait échanger avec votre psychologue d'où vous voulez. Donc vous ne perdez pas de temps d'une part, mais surtout ça s'adapte à votre rythme de vie. Vous êtes professionnel de santé, vous êtes pendant votre pause, eh bien, et il est 3h du matin, vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans votre salle de pause, vous prenez le temps de lire la réponse de votre psychologue, il vous a envoyé un petit exercice d'auto-hypnose pour vous recentrer, vous remettre en énergie, hop, vous pouvez le faire, vous mettez vos écouteurs et vous vous laissez porter et tout de suite ça vous fait du bien. J'insiste sur une chose, c'est que la thérapie digitale est véritablement sans effort, dans le sens où 5 minutes par jour suffisent vraiment pour avancer. Bien sûr, si vous voulez y accorder 15 minutes, 20 minutes, mais en fait, 5 minutes par jour suffisent réellement
et vous allez voir que votre psy s'adapte à vous et pas le contraire. Donc, ça va vous aller comme un gant, ça va être adapté. Il y a des personnes qui préfèrent être dans la verbalisation, d'autres qui préfèrent être dans l'exercice, d'autres qui préfèrent être dans la recette, d'autres qui ont besoin d'un mix de tout ça. C'est sans effort et ça s'adapte à votre typologie, à votre nature, à votre état d'énergie en fonction de votre avancée. Et surtout, c'est fiable. Pourquoi ? Parce que votre psychologue est diplômé, bien entendu. Chaque psychologue est supervisé. J'assure une supervision de l'ensemble des psychologues qui travaillent au sein de la clinique e-santé, qui donc abordent un protocole qui est celui de la TPERN pour lequel ils sont formés, mais aussi de la e-santé, de la e-thérapie pour lequel ils sont formés. Sachez aussi que dans cet espace de fiabilité, vous êtes dans un espace patient confidentiel et sécurisé depuis votre votre téléphone, depuis votre ordinateur, depuis votre tablette. Vous téléchargez l'application de la clinique e-santé et vous pouvez directement, en mettant donc votre identifiant, votre mot de passe, accéder à votre espace de thérapie à tout moment et celui-ci, de la même façon que vous auriez en cabinet, vous permet d'assurer une totale confidentialité et sécurité de vos données. C'est connecté. La thérapie digitale, c'est connecté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez votre psy qui vous répond du lundi au vendredi en 24 heures chrono. Qui aujourd'hui est capable de vous donner un suivi avec votre psy dans votre poche au quotidien ? Même votre meilleur ami, vous ne l'avez pas forcément tous les jours en mode 24 heures chrono pour pouvoir vous suivre et vous accompagner. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un service dédié pour vous permettre de... Imaginez, c'est comme si vous aviez besoin de votre médecin et qu'à tout moment, vous l'aviez en 24 heures chrono tous les jours du lundi au vendredi. Eh bien, c'est ça que vous propose la thérapie digitale avec un suivi support qui est disponible depuis votre espace patient. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin d'accéder à votre facture, votre mutuelle, puisque vous avez une possibilité d'être prise en charge par votre mutuelle en fonction du type de mutuelle que vous avez. Vous avez la possibilité, si besoin, de contacter un des conseillers e-santé de la clinique e-santé qui est joignable par téléphone pour vous répondre, pour vous sécuriser par rapport à l'utilisation de l'application. Vous n'êtes plus jamais seul. Vous êtes pris en charge, respecté, écouté, soutenu, guidé et soigné. Surtout, c'est riche la thérapie digitale parce que, comme je vous dis, vous allez passer par différentes phases qui sont extrêmement importantes. La première chose, c'est que vous allez pouvoir réaliser votre diagnostic et même différents diagnostics en fonction de votre situation et de vos avancées. Au démarrage, vous pouvez faire un diagnostic, par exemple, sur l'anxiété, puis après, désirer faire un diagnostic sur la thérapie du sens, sur le, sur aussi la thérapie digitale, c'est riche, très riche pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous permettre déjà dans un premier temps d'avoir la possibilité de réaliser votre diagnostic, bien entendu, mais pas qu'un seul diagnostic. Vous avez votre diagnostic de départ, mais en fait, au fur et à mesure de votre avancée dans la thérapie, au démarrage, vous allez peut-être venir parce que vous avez un état de stress post-traumatique, mais après, vous allez aussi peut-être vous poser des questions sur tout simplement une réorientation professionnelle. Votre psychologue va être là à tout moment dans les questionnements, va pouvoir vraiment vous guider et vous aider. Et vous aurez aussi de façon autonome à l'intérieur avec l'application de la clinique e-santé, accès à des programmes santé autonomes pour pouvoir réaliser par exemple des exercices spécifiques en TCC de façon autonome ou alors vous voulez accéder à un atelier thérapeutique où je serai présente. En fait, tout est fait pour que vous puissiez, avancer à votre rythme depuis votre espace patient avec plein d'outils qui sont disponibles, votre psy qui est dans votre poche et des accès privilégiés pour vous, comme je dis, à des ateliers à thème, des programmes à thème et des conférences que j'organise. Donc, c'est vraiment une prise en charge sur mesure pour vous. Bien entendu, on n'oublie pas la combinaison économique aussi, parce que je le sais, j'ai régulièrement des personnes au sein de mon cabinet en consultation qui m'ont dit plusieurs fois, Christelle, mais là, je vais être obligée d'arrêter la thérapie parce que ça me coûte trop cher. Et ça a été un des éléments clés. Je me dis toujours, bon sang, comment faire pour que la santé soit accessible au plus grand nombre? Et donc,
dans le contexte de la thérapie digitale, même si ce n'est pas parfait, c'est l'idée de vous apporter quelque chose vraiment de deux fois plus économique qu'un suivi en cabinet. Alors, ça ne sera jamais aussi parfait que quelque chose de gratuit, bien entendu, mais déjà, c'est tout l'effort de vous proposer un suivi de très très haute qualité en cabinet, sans frais et sans temps de déplacement, avec bien entendu la possibilité, puisque l'ensemble des psychologues de la clinique e-santé ont un numéro Adeli, d'avoir une attestation pour votre mutuelle et une prise en charge de vos consultations. Et surtout, avec la thérapie digitale, c'est vous qui décidez. Vous décidez de votre rythme d'abonnement pour votre thérapie. Est-ce que vous souhaitez un suivi mensuel? Est-ce que vous souhaitez un suivi hebdomadaire? Eh bien, si au démarrage, vous voulez juste tester et vous voulez vous engager dans une thérapie hebdomadaire juste pour savoir comment ça marche, savoir si ça vous correspond, eh bien voilà, c'est vous qui choisissez. Ou alors, vous savez que vous voulez juste venir pour traiter un sujet bien spécifique, par exemple professionnel, vous préparer un examen, gérer une situation qui est, comment dire, ponctuelle, eh bien, l'abonnement hebdomadaire vous permettra de traiter cela en une, deux ou trois semaines maximum. Et si vous avez besoin de faire un travail de fond, prenez un abonnement mensuel. Et puis, eh bien, c'est vous qui décidez quel est votre rythme. Si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une pause. Et c'est vous qui décidez. Vous stoppez votre thérapie d'un simple clic depuis votre espace patient. C'est vous qui avez la main. Vous pouvez faire une pause là aussi en un clic. C'est autonome. C'est vous qui décidez. Et ça aussi, c'est important pour moi dans cette révolution thérapeutique, cette révolution de vivre, de penser et d'être en thérapie. C'est important que le patient ait la main. C'est vraiment une petite révolution, en effet, la thérapie digitale, parce qu'on dépoussière complètement la pratique en cabinet. On revisite le fond et la forme, la façon de pratiquer la thérapie, la forme pour renforcer encore plus les bienfaits de la psychothérapie, puisque qu'est-ce qu'on fait ? On la rend accessible à chaque étape de votre vie avec votre psy dans la poche. C'est ça, la thérapie digitale. Et aujourd'hui, on est numéro un de la thérapie digitale. Pourquoi ? Parce que la clinique e-santé a eu, et je me suis vraiment, j'ai mis toute mon énergie pour faire en sorte que tous les freins que j'ai pu vivre depuis plus de 15 ans sur la pratique en cabinet, eh bien, complètement l'enlever pour faire en sorte que la thérapie, grâce à la thérapie digitale, soit accessible à tous. Et en plus de la thérapie digitale, on pratique à l'intérieur la TPERN, qui est une exclusivité de la clinique e-santé, qui permet, comme je disais, de pouvoir activer la plasticité neuronale et de réactiver votre cerveau au bon endroit pour vous permettre de vous soigner efficacement, de guérir au bon endroit. Bien entendu, c'est une exclusivité puisque la TPERN est une innovation et une exclusivité de la clinique e-santé que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui évolue grâce à toutes les équipes du pôle santé et du pôle digital chaque semaine, puisque chaque semaine, il faut savoir que nous avons de gros services de recherche et développement qui sont là pour faire évoluer l'application et le service de la clinique e-santé au quotidien, ce qui fait que les patients régulièrement se retrouvent avec une application qui est enrichie, qui permet, en plus de votre psychologue dédié qui est là dans votre poche, de vous amener chaque mois des évolutions pour que vous puissiez avancer, trouver des réponses, vous sentir guidé, vous sentir soutenu et avoir ce sentiment que prendre soin de sa santé, se soigner, guérir, eh bien, ce soit véritablement presque une sorte de, j'ai envie de dire, de guidance de vie et presque c'est comme un jeu en fait. Un jeu, un vrai jeu, un jeu dans la vraie vie où on prend soin de soi, mais où on le fait avec la joie, on retrouve cette stimulation naturelle en nous, parce que c'est sans effort. Alors, quels sont les avantages de la thérapie digitale et quelles comparaisons à faire avec la pratique en cabinet? Je pense que c'est important d'être dans la transparence et de vous expliquer. Lorsque vous êtes dans une thérapie digitale, quelle est la différence? Je vous ai mis deux colonnes entre ce qui se passe en cabinet et ce qui se passe au sein de la clinique e-santé. Alors, que ce soit en cabinet ou au sein de la clinique e-santé, vous avez votre psychologue diplômé. Ça, il n'y a pas de changement. Par contre, ce que vous avez au sein de la clinique e-santé en thérapie digitale, ce que vous n'aurez pas en cabinet, c'est qu'au sein de la clinique e-santé, vous avez des échanges quotidiens par message écrit, audio, mais aussi d'autres médiums ou vidéos avec votre psychologue. Et ça, vous ne l'avez pas en cabinet, il n'y a pas d'échange quotidien. La thérapie digitale,
C'est sans rendez-vous. Ça, c'est une exclusivité de la clinique santé. En cabinet, on est obligé d'avoir un rendez-vous. Il n'y a pas de déplacement quand on est à la clinique e-santé, puisque votre psychologue, vous l'avez directement dans votre poche et sur votre téléphone. C'est la pratique exclusive de la TPERN au sein de la clinique e-santé qui n'existe pas en cabinet. Je rappelle, c'est une exclusivité de la clinique e-santé. Vous avez la possibilité au sein de la clinique e-santé en thérapie digitale de vous livrer avec votre psychologue d'où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes en déplacement, vous êtes le week-end, vous êtes avec vos enfants, vous êtes le soir en sortant du travail, vous êtes en pleine journée, vous avez besoin de vous confier. Il est 6 heures du matin, vous avez du mal, vous sentez que la journée va être longue et vous avez besoin de vous confier. C'est vous qui décidez d'où et quand vous voulez pratiquer votre thérapie. Aujourd'hui, j'ai envie d'y consacrer 5 minutes. Demain, je vais y consacrer une heure. C'est moi qui décide. Vous voulez y consacrer 5 minutes ce matin, 5 minutes ce midi, 5 minutes ce soir? Allez-y, vous pouvez le faire. Et vous pouvez accéder à plus de 40 tests de personnalité, des autodiagnostics cliniques, des programmes e-santé, un protocole de suivi, un bilan de progression mensuel en ligne qui vous permet de savoir où vous voulez, quand d'avancer comme vous le souhaitez. Et bien entendu, les avantages de la thérapie digitale, elles sont déjà clairement dans le tarif parce que les honoraires au sein de la clinique e-santé, c'est à partir de 47€ par semaine et en cabinet, c'est à partir de 80€ par semaine. Le calcul, eh bien, je vous laisse le faire naturellement. Alors, il faut savoir que donc le parcours santé pour découvrir la thérapie digitale, eh bien, je vais maintenant passer la main à Alexandre qui va vous présenter, vous faire rentrer à l'intérieur de la clinique e-santé pour que vous puissiez comprendre de l'intérieur comment ça se passe. Donc, Alexandre, je te laisse la main, je te laisse expliquer comment ça se passe et je vous retrouve juste après. Voilà, merci Alexandre pour toutes ces explications extrêmement détaillées, précises, qui permettent pour vous de pouvoir vous rendre compte concrètement comment ça se passe quand on est en thérapie de l'intérieur. Alors, maintenant, comment démarrer tout simplement votre thérapie digitale et pratiquer la TPERN immédiatement sans être obligé d'attendre? Vous avez 3 possibilités pour nous rejoindre. Soit en fait, vous pouvez avec votre téléphone directement appuyez sur le mode photo et cliquez sur le QR code qui est là. Ça vous amènera directement sur le lien pour démarrer la thérapie digitale et voir comment ça se passe, avoir toutes les informations complémentaires. Vous pouvez le faire depuis la description YouTube ici, cliquez directement dans la description ou alors vous avez le lien direct ici, directement pour rejoindre la clinique e-santé. Et vous pouvez cliquer juste au-dessus ici, démarrer maintenant la thérapie digitale, tout simplement dans cette session e-santé. Il faut savoir que la thérapie digitale, c'est vraiment une méthode concrète, simple, au succès rapide pour sortir du stress, de l'anxiété, des angoisses et des phobies de façon simple, sans se poser de questions et qui redonne le sourire. Alors, comment profiter au mieux de la thérapie digitale et de la TPERN? Eh bien, je vais vous donner les 3+1 principes simples qui sont à respecter. Première chose, 3 principes, comme je dis, 1, accepter de ne pas faire d'efforts. Ça, c'est la première chose à faire. 2, soyez vous-même. Et 3, respectez votre rythme. Pourquoi accepter de ne pas faire d'efforts? Tout simplement parce que faire des efforts, ça ne peut pas durer dans le temps. Si, par exemple, je veux prendre ici les livres qui sont là, vous voyez, par exemple, je prends ce livre et que j'essaye de le maintenir pendant des heures, c'est pas compliqué, même s'il paraît léger comme ça, au bout d'un moment, eh bien, il va commencer à être très lourd. On est d'accord? Donc, faire des efforts sur la durée, ça ne fonctionne pas. Et ça, on l'a très bien compris en principe de thérapie digitale. C'est pour ça qu'on ne vous demandera jamais de faire des efforts. On va comprendre comment vous fonctionnez pour faire en sorte que vous puissiez y aller par la bonne direction, le bon GPS. Ensuite, soyez vous-même. Pourquoi? Parce que cherchez pas à être quelqu'un d'autre, exprimez-vous comme vous le souhaitez, soyez naturel, vous allez voir qu'en fait, ça se passe tout simplement. Et surtout, respectez votre rythme. Vous avez besoin de prendre du temps, vous voulez avoir un suivi quotidien avec votre thérapeute, eh bien c'est possible. Vous préférez une fois par semaine ou 2-3 fois par semaine, c'est vous qui décidez. Il y a des semaines où vous avez plus besoin, il y a des semaines où vous avez moins besoin, c'est vous qui allez décider. Et nous, tout simplement, au sein de la clinique e-santé, on s'adapte. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Un principe majeur, ça par contre c'est important maintenant, ne reportez pas le moment d'aller mieux. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, si vous ne changez rien, rien ne changera. Mais il suffit là peut-être d'un simple clic pour vous permettre
tout de suite de pouvoir agir et d'aller mieux. C'est le principe majeur. Alors, bien sûr, vous allez peut-être me dire, Christelle, maintenant, je comprends, mais j'ai peut-être encore besoin de réfléchir. Et bien entendu, prenez tout le temps qui est bon pour vous. Parce que le temps de réfléchir, c'est aussi la meilleure façon de guérir, de réfléchir. Par contre, ne reportez pas la décision de guérir. Choisissez la façon, la meilleure façon de guérir, mais ne reportez pas la décision de guérir. Parce que ce soit dans un jour, une semaine, un mois, 10 ans, les blessures, elles seront toujours là et vous aurez toujours besoin d'une thérapie. Prenez-en conscience maintenant. Le nombre de personnes qui viennent me voir et au bout de 3-4 semaines qui me disent « Oh là là, mais j'ai tellement avancé. » Me dit « Mais pourquoi je ne suis pas venue vous voir plus tôt? Ça aurait tellement changé tout dans ma vie. » Ne reportez pas la décision de guérir. Cherchez juste et réfléchissez quelle est la meilleure façon de guérir. Je vous donne un témoignage. Je sais que c'est quelque chose qui, pour vous, peut être aussi rassurant de pouvoir se projeter. Alors, je vous donne les témoignages de patients, de vrais patients. Alors, il faut savoir que, par contre, par mesure de déontologie, j'ai changé les prénoms des personnes et ce sont de vrais témoignages, notamment celui-ci pour Colline. Je le lis avec vous. Colline, je vous remercie. Donc, c'est Sophie. Son nom d'emprunt. Je vous remercie pour les progrès accomplis et ces progrès, je les dois à notre travail, à votre engagement au quotidien auprès de moi sans jamais me lâcher. Pour être tout à fait sincère, je doutais pas mal en m'engageant dans cette thérapie digitale de la pertinence ou de l'adéquation avec les problématiques qui m'assiégeaient et aujourd'hui je dois avouer que c'est probablement la meilleure démarche que j'ai entreprise depuis longtemps et je ne me doutais encore moins de la vitesse à laquelle ces progrès s'accompliraient. Bravo pour cette patiente qui a fait le chemin, qui continue de faire le chemin aujourd'hui, en effet, qui a été surprise, ce qui est normal parce que, j'ai envie de dire, quand on ne connaît pas, c'est comme la personne qui va conduire pour la première fois, je ne sais pas, par exemple, une voiture électrique et qui ne l'a jamais conduite, et bien, elle va être surprise de l'effet silencieux de la voiture, par exemple. Je vais répondre maintenant avec vous à une question de patient, peut-être une question que vous vous posez. Je prends le temps maintenant d'y répondre. Christelle, je suis sous antidépresseur. J'ai entendu dire que cela ralentissait le travail en thérapie. Qu'en pensez-vous? Alors, oui et non. Alors, il faut savoir que les antidépresseurs, dans certains cas, sont nécessaires dans certaines situations de stress, d'anxiété, d'angoisse. Et ça peut être des antidépresseurs, ça peut être des anxiolytiques. Dans certains cas, c'est nécessaire. Par contre, ce n'est pas automatique ni obligatoire. Autant pour se soigner, une psychothérapie est essentielle, est obligatoire. Par contre, et ça c'est exclusivement votre médecin traitant ou le psychiatre qui pourra vous renseigner sur la prise d'antidépresseurs. Est-ce que ça ralentit le travail thérapeutique? Si vous avez un très fort dosage d'antidépresseurs, oui, ça peut ralentir le travail thérapeutique et ça peut être intéressant de faire un travail conjoint avec votre médecin traitant ou votre psychiatre et donc votre psychologue pour justement adapter au fur et à mesure de votre avancée en travail en psychothérapie le dosage de vos médicaments. Chose que notamment au sein de la clinique e-santé, on fait avec vous lorsque l'on fait les bilans de progression. Et ça nous permet d'être en lien si nécessaire avec votre médecin traitant, bien entendu. Alors, une question aussi qu'on me pose souvent, Christelle, est-ce qu'il y a des séances en visio? Alors, non, au sein de la clinique e-santé, en thérapie digitale, comme je dis, on pratique la TPERN, la thérapie par exposition à la réalité narrative. Nos psychologues ne pratiquent pas, entre guillemets, une thérapie classique où le cabinet est remplacé par la visio. Parce que ça, en fait, on ne fait que tout simplement essayer d'adapter une pratique en cabinet à une visio. Alors à ce moment-là, j'ai envie de dire autant aller en cabinet, d'accord? En réalité, c'est tout à fait autre chose. Nos psychologues sont formés à la narrathérapie, à la TPRN, thérapie par exposition à la réalité narrative. C'est ce qui permet, comme je vous ai expliqué, nos avancées en neurosciences pour obtenir 3 fois plus de résultats rapides qu'en cabinet. Donc, non, on ne pratique pas les séances en visio, tout simplement parce que nous n'en avons pas besoin, puisqu'en fait, nous appliquons un autre travail qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant qu'une séance classique en cabinet, en tout cas, qui est celui de la TPERN.
Alors, un autre témoignage, celui-ci pour Camille. Camille, et je donne Redouane du Maroc. Alors pareil, j'ai changé son prénom. Les phobies, les attaques de panique, Camille, le stress et la boule au ventre au quotidien, le burn-out qui me guettait. Ceci est derrière moi à présent. Je dois dire que j'adore mon suivi au quotidien avec Camille. Ses réponses et sa guidance sont toujours en plein dans le mille. J'ai le sentiment d'être vraiment écoutée, rassurée et même recadrée par moments, et ça me fait un bien fou. Merci pour Camille. Question de patient. Alors, une autre question que vous me posez régulièrement. Christelle, je n'arrive absolument pas à comprendre le pourquoi de mes angoisses. J'ai tout pour être heureux. J'ai des amis, une famille qui m'aime et un travail. Alors, pourquoi ces angoisses? Tout simplement, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, les angoisses, la blessure, les sources, la plupart du temps, sont cachées et sont parfois cachées très loin dans le passé. Ce qui fait que vous ne le voyez pas dans votre contexte de vie d'aujourd'hui. D'où l'importance d'un travail thérapeutique avec un psychologue expert dans le traitement du stress, de l'anxiété, des angoisses, qui va vous permettre de pouvoir identifier, de cartographier concrètement qu'est-ce qui fait que vous avez ces angoisses et ensuite comment vous pouvez vous en défaire. Vous me dites aussi souvent, Christelle, je suis déjà suivie en cabinet ou j'ai déjà essayé. Alors, bien entendu, la thérapie digitale, il faut savoir que elle peut être très bien en combinaison si vous êtes en suivi avec un psychiatre pour par exemple votre traitement médicamenteux, mais que vous voyez par exemple ponctuellement une fois par mois, c'est complètement approprié, même recommandé, en combinaison de votre suivi avec votre psychiatre. C'est ce qu'on en fait au quotidien au sein de la clinique e-santé. La thérapie digitale, quand vous me dites j'ai déjà essayé, vous permettra d'obtenir des résultats que vous n'avez pas encore obtenus en cabinet, puisque ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même format. Et c'est extrêmement efficace, vous serez très étonné de la vertu, la force de la thérapie digitale. Donc, comme je dis souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Je vous donne aussi le témoignage d'une patiente pour Fanny. Je le rappelle toujours, ce sont vraiment des témoignages de nos patients que je mets à votre disposition, qui nous ont donné leur accord, mais pour lequel, bien entendu, je modifie les prénoms. Merci pour cette merveilleuse expérience, Fanny. Jamais je n'oublierai vos encouragements, votre soutien. Aujourd'hui, j'ai une meilleure affirmation de moi, mon anxiété n'est plus mon quotidien. J'ai découvert que j'avais une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne et en plus que je pouvais en faire un véritable atout dans ma vie. Merci à vous. Oui, parce que, bien entendu, on va aller en profondeur de votre matrice et on va vous aider au sein de la thérapie digitale à développer, à prendre conscience de qui vous êtes, de vos talents, de votre spécificité, de votre ADN, de votre côté unique et de pouvoir l'exprimer. Donc vous allez pouvoir vous défaire de ce qui vous gêne dans votre vie, mais vous allez aussi pouvoir développer tout ce qui était en potentiel et qui n'a pas pu encore s'ériger dans votre vie. C'est tout l'avantage, les effets bénéfiques d'une thérapie. Je vous propose une autre question. Christelle, à cause de mon anxiété, de ma peur de tout, j'ai sombré en dépression à la suite d'un burn-out. Par où commencer pour me reconstruire? La première chose sur laquelle agir, ça va être dans un premier temps traiter la dépression. Pourquoi? Parce que la dépression, quand on traite la dépression, en fait, on traite aussi bien entendu le trouble anxieux. Et en fait, la dépression, en réalité, si je vous dis où est-ce qu'on va commencer, on va traiter d'abord l'anxiété. Mais en fait, pourquoi? Parce que l'anxiété, c'est ce qui crée la dépression. Donc, on va traiter l'anxiété en parallèle de la dépression. Et ensuite, si nécessaire, si le burn-out vous a mis à mal au niveau professionnel et dans votre contexte, on traitera cela aussi. Donc, en fait, l'ordre, l'anxiété, les conséquences de la dépression, les conséquences du burn-out. Voilà. Et pour cela, un protocole. Alors, on me dit aussi, Christelle, et si c'était trop cher? Aujourd'hui, une pratique en cabinet, juste pour être complètement transparente, si on prend à peu près la moyenne en cabinet, une séance vaut à peu près 75 euros pour un coût mensuel à peu près avec une séance par semaine en cabinet. Le coût par mois sera de 300 euros.
pour un mois en thérapie digitale au sein de la clinique e-santé, avec l'équivalent de 15 à 20 séances, le coût est de 197 euros. Donc, bien entendu, une très grosse économie et pour autant, une thérapie encore plus renforcée avec un suivi au quotidien. Un autre témoignage, celui-ci pour Adèle. J'ai longuement hésité avant de passer à l'action. J'avais tellement peu d'énergie à cause de ma dépression amoureuse et de l'anxiété cumulée que l'idée d'entreprendre une thérapie, me déplacer alors que j'avais déjà du mal à sortir de mon lit et aller travailler me paraissait impossible. Et puis j'avais un peu honte. Et puis j'ai fait le pas recommandé par une amie déjà suivie en thérapie digitale. Et c'est vrai, avec Adèle, ça a tout de suite été simple. Sa bonne humeur au quotidien, ses exercices clairs et simples. Et c'est vrai, au début j'y consacrais 5 à 10 minutes par jour et puis maintenant je m'y consacre 2 fois par semaine. Et quand j'ai un coup de mou, je sais que je peux envoyer un message immédiatement. Ça, c'est un message d'Alexis. Une autre question que peut-être dans laquelle vous vous reconnaissez, les consultations en thérapie digitale sont-elles prises en charge par la mutuelle? Je vous ai déjà en partie répondu tout à l'heure, oui. L'ensemble des psychologues cliniciens de la clinique e-santé sont des psychologues diplômés, formés à la TPRN et à la thérapie digitale. Et ils ont un numéro Adélie qui leur permet en fait d'avoir, de vous fournir une attestation qui vous permet une prise en charge en fonction de votre mutuelle. Sachez que automatiquement depuis votre espace patient personnel, vous avez directement, sans rien avoir demandé, votre attestation mutuelle directement disponible que vous pouvez télécharger ainsi que les factures. Donc tout est disponible pour vous, tout est fait pour vous simplifier la vie. Vous allez peut-être me dire aussi, Christelle, c'est bien, c'est super, mais j'ai pas les moyens. Alors, je comprends complètement et c'est, comme je dis, c'est un sujet que j'aimerais qu'on n'ait pas abordé parce que j'aimerais que la santé, c'est tout ce que je fais, soit accessible à tous. Et déjà, j'essaie moi de faire le pas qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Et je comprends complètement nos éléments de santé. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, Si cette question de santé concernait un de vos proches, si c'était un de vos proches qui vous disait qu'il avait besoin de 197 euros pour se soigner, la question que je vous pose maintenant, est-ce que vous lui donneriez? Si la réponse est oui, sans hésiter, eh bien, aujourd'hui, vous avez les moyens de vous soigner. C'est juste plus une question de permission pour vous. Un autre témoignage, celui-ci pour Stella. Josiane, qui consulte depuis la Guadeloupe, excite le stress, excite l'anxiété, les angoisses du quotidien pour tout et tout le temps. Grâce à vous, j'ai fait un grand pas et c'est un immense soulagement. Le chemin n'est pas encore terminé, mais je sens qu'aujourd'hui, j'ai les cartes en main, je me sens en force pour repartir du bon pied. Grâce à notre travail, je sais que maintenant, je vais y arriver, contrairement à avant, et c'est énorme pour moi. Alors merci, merci mille fois Stella. Merci Josiane pour ce témoignage pour Stella. Peut-être que vous reconnaissez dans cette question. Christelle, peut-on vraiment guérir de l'anxiété quand on vit avec depuis des années? La réponse est oui, tout simplement, parce que si on agit au bon endroit, à la racine de l'anxiété, qu'on traite la racine, qu'on traite les symptômes du présent et les conséquences dans votre vie, que vous agissez en trois dimensions, que vous traitez les peurs, les comportements et les émotions et que vous faites le travail de neuroplasticité, de l'élagage synaptique, oui, vous allez pouvoir vous guérir de l'anxiété, tout simplement, parce que l'anxiété est une conséquence et non pas une source. Donc oui, à partir du moment où on traite les éléments qui ont amené l'anxiété, vous allez pouvoir en guérir, même si ça vous poursuivait depuis des années. C'est juste que vous n'aviez pas agi jusqu'à présent complètement, soit à 360 degrés, ou alors vous aviez traité un élément où vous aviez cherché à apaiser, mais pas à traiter directement à la source. Et puis, peut-être parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous n'avez pas eu les moyens, concrets de vous sentir équipé, soutenu au quotidien pour pouvoir faire ce chemin, ce que vous allez pouvoir faire au sein de la clinique e-santé. Alors, et si vous étiez dans l'idée de vous dire, ce qui m'étonnerait quand même, Christelle, mais il n'y a pas de contact humain. Voilà. Au sein de la clinique e-santé, c'est tout l'inverse. J'ai envie de dire que contrairement à des consultations en ville où vous voyez votre thérapeute, par exemple, deux fois par mois ou une fois par semaine, avec la thérapie digitale, le contact humain avec votre psychologue, c'est chaque jour. Imaginez
la puissance de l'alliance thérapeutique. C'est comme lorsque vous voyez quelqu'un, ou même un pote, une fois par mois, ou si vous le voyez tous les jours. C'est pas le même lien qui se construit. Quoi que de plus humain qu'une relation qui est tissée au quotidien avec votre psychologue dédié, avec lequel vous créez cette alliance, avec lequel vous apprenez à mieux vous connaître au quotidien, à vous exprimer et à avancer. Un témoignage cette fois-ci pour Eliana, donc, qui est psychologue chez nous. Ces séances à mon rythme ont été dès le départ une source de libération totale. C'est Erika qui nous parle. Le fait que vous me guidiez et non que vous me jugiez, que je puisse prendre mon temps. Cette forme de thérapie est extraordinaire pour moi car je suis une ultra empathe. Avec la thérapie digitale, je peux parler librement, sans peur d'interpréter vos réactions ou votre regard qui pourrait me bloquer. Je lis vos réponses à mon rythme avec plaisir, car elles sont toujours libératrices pour moi et me permettent de réfléchir plus posément, sans peur du jugement. Ce qui fait que j'avance réellement dans mon cheminement. C'est exactement ça. Merci pour vos mots, Erika, parce que vous faites l'écho de tellement de personnes qui viennent au sein de la clinique e-santé, parce qu'en effet, parfois, faire le pas de passer la porte du cabinet d'un thérapeute, beaucoup de personnes ne le feront jamais, alors que plus facilement, ils font le pas de la thérapie digitale parce que vous vous sentez plus en confiance, parce qu'il y a une distance que vous gérez plus facilement, tout simplement pour vous. Donc, c'est là aussi le moyen pour vous de vous respecter. Anxiété, stress, angoisse, est-ce que les médicaments sont obligatoires? J'ai déjà répondu en effet tout à l'heure à cette question. Non, les médicaments ne sont pas obligatoires, mais seul votre médecin traitant ou le psychiatre peuvent vous donner ces indications. Mais il est important de vous dire que si les médicaments ne sont pas obligatoires, une thérapie pour soigner le stress, l'anxiété et l'angoisse sont obligatoires si vous voulez guérir, parce que sinon, de toute manière, si vous ne changez rien, rien ne changera et les médicaments deviendront, même s'ils ne sont pas obligatoires, en tout cas, une nécessité pour que vous ayez une sorte de béquille à chaque fois. Donc, l'objectif, c'est d'enlever la béquille et de pouvoir vous remettre en solidité par vous-même. Alors, je vous propose maintenant de vous aider à choisir le psychologue au sein de la clinique e-santé si vous avez envie de faire le pas de la thérapie digitale. Alors, je vais vous présenter l'équipe de la clinique e-santé, une partie en tout cas de l'équipe de la clinique e-santé, parce que comme vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à faire le pas de la thérapie digitale, et donc de plus en plus de cliniciens viennent renforcer les lignes de la clinique e-santé, sont formés à la TPERN pour pratiquer la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé. C'est le cas notamment de Colline, je vous la présente, aime vraiment vous accompagner avec mes méthode et pragmatisme. C'est une spécialiste des TCC et bien entendu, du coup, c'est pas pour rien parce qu'elle a des protocoles, un fil conducteur précis, structuré et vous allez vraiment être coaché pour faire face à ce qui vous empêche de révéler votre plein potentiel. Je vous la recommande, Colline, quand vous avez envie, besoin d'obtenir un coup de boost et de travailler notamment sur vos croyances limitantes. J'ai parlé tout à l'heure des schémas où vous êtes orienté problème. Colline saura vous amener à vous orienter solution. Bien entendu, Colline est psychologue clinicienne diplômée, comme tous les psychologues de la clinique e-santé. Vous avez aussi Stella. Stella, alors, elle, c'est une adepte de la psychothérapie positive, elle est motivante, elle s'adapte à votre rythme, avec méthode, et elle vous guide tout en douceur. Elle est particulièrement soutenante, elle fera de votre thérapie vraiment un lieu d'apaisement, et ça vous permettra d'avancer sereinement. Il faut savoir qu'elle pratique avec finesse les méthodes notamment de relaxation, mais aussi toutes les méthodes liées à la psychothérapie intégrative. Elle va vous être particulièrement recommandée, c'est là quand vous avez besoin de vous sentir soutenu, de déstresser et d'apprendre à voir la vie en positif. Voilà pour Stella. Il y a aussi Camille. Alors Camille, elle vous permet vraiment de bousculer les habitudes, d'aller au-delà de vous-même. Elle vous propose un parcours initiatique où l'on ne se repose pas sur ses lauriers. Vous allez pouvoir réaliser votre thérapie avec humour, avec bienveillance. Elle saura vous confronter lorsque c'est nécessaire pour aller à la rencontre de vous-même. Et elle est particulièrement recommandée, Camille, quand on a besoin d'avancer avec énergie et qu'on aime être confronté. Parfois, quand on a besoin d'avoir des petits coups de pied aux fesses, Camille saura vous le faire avec beaucoup de douceur et tellement de bienveillance et d'amour, bien entendu. Camille, voilà pour Camille. Eliana est une psychologue spécialisée dans les approches humanistes. Elle est sensible, elle est proche du patient dans sa pratique. Elle vous fera aller au plus près de votre créativité intérieure et de vos ressources
tout en douceur. Elle est particulièrement recommandée, Eliana, quand vous ressentez ce besoin d'être accompagné avec souplesse et délicatesse. Voilà pour Eliana. Connaissez-vous Adèle ? Je vous la présente. Adèle, c'est une psy tout terrain. Elle vous amènera à mieux vous connaître en passant par différents chemins. Elle est pétillante dans sa pratique, pardon, elle est orientée solution, ça c'est clair. Et elle va vous faire sortir des sentiers battus avec méthode et aussi avec créativité. On peut dire qu'Adèle, c'est une adepte de la mise en mouvement par l'expérimentation et c'est aussi une obsessionnelle de la bienveillance comme toutes les psys de la clinique e-santé. Et ça vous permet d'aller jusqu'au bout du chemin, de ne jamais lâcher. Adèle est particulièrement recommandée quand on a besoin de se remettre en mouvement et qu'on n'a plus envie de procrastiner. Si c'est votre cas, allez-y, choisissez Adèle. Connaissez-vous Fanny ? Alors Fanny, avec elle, vous allez être accompagnée avec méthode et vous allez être encouragée avec efficacité. Vous allez être encouragée pour avancer dans votre sincérité. C'est une spécialiste qu'il faut savoir aussi, Fanny, des addictions. Elle sait comment vous amener à avancer en vous respectant d'abord. Donc, elle a un regard analytique, elle saura vous guider avec une introspection en profondeur. Si vous avez besoin et que vous avez envie d'être chouchoutée et que vous aimez l'introspection profonde, c'est Fanny qu'il vous faut. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de ces séances. Je vous ai présenté l'ensemble des psychologues, je vous ai expliqué ce que c'était que la thérapie digitale, je vous ai expliqué ce que c'était que la TPE-RN, qui est une exclusivité de la clinique et santé, et surtout, vous avez compris. Aujourd'hui, vous avez réussi à mettre les mots sur le stress, l'anxiété, les angoisses, les symptômes, les conséquences, les causes et comment agir. Alors, si vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous avez besoin de l'aide du psychologue qui est fait pour vous, mais que vous hésitez peut-être et que vous avez envie, vous avez encore des questions avant de faire le pas, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, sachez que l'ensemble des conseillers e-santé de la clinique e-santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont là à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous le jour et l'heure de votre choix. Nos conseillers e-santé sont là pour vous conseiller dans le choix de votre psychologue. Vérifiez que la thérapie digitale sera adaptée à votre situation. Ça vous permettra aussi d'obtenir plus d'informations avant de démarrer. Et puis, si vous le souhaitez, même d'être conseillé et d'être assisté par votre conseiller e-santé de A à Z pour choisir votre thérapie, choisir votre psychologue, démarrer, naviguer dans votre espace patient en étant accompagné, réaliser avec lui le règlement de votre thérapie, savoir comment fonctionnent les consultations, naviguer dans l'espace test, recevoir votre attestation, tout ceci peut être assisté directement par nos conseillers e-santé. Voilà. Nous arrivons bientôt à la fin de cette séance. J'espère que celle-ci vous a été utile, qu'elle vous a permis de mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez et surtout que ça vous a donné l'envie de cliquer pour avancer dans votre vie. Peu importe la façon dont vous allez décider de cliquer, mais dites-vous une chose, il suffit d'un petit clic, un petit rien qui vous permet en fait de pouvoir changer le cours des choses et dire stop à la peur, au stress, à l'anxiété et aux angoisses. Et oui, c'est tout à fait possible. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions e-santé, peut-être directement au sein de la thérapie digitale, au sein de la clinique e-santé. Ce sera avec un grand plaisir que j'assurerai avec votre psychologue votre supervision, que je vous retrouverai en atelier thérapeutique à thème. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.